Et bonsoir à tous. Donc ce soir, une émission un peu spéciale déjà parce qu'elle va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Ce qui est un petit peu fait à l'arrache parce que ça a été changé qu'hier, mais bon, on passera des détails. De toute façon, je pense que personne va regarder ce live étant donné que vous êtes tous sur la TVA en train de regarder Antoine Daniel, le fossoyeur de films et Karine Debbache. Mais c'est pas très grave. Ce soir, donc on va parler de TAS qui sont sur Wii, sur GameCube. On va commencer en plus par un TAS. Sans honte, hein, vraiment la nana, qui est déjà passée dans Speed Game, tant qu'à faire. On parle du TAS de Muramasa, The Demon Blade sur Wii, en mode Momoïme par Rachel B. On va voir ça tout de suite. Hop. Alors pourquoi ce TAS particulièrement? Bon, outre les multiples raisons qui vont y amener. Et surtout, qu'est-ce que c'est? Bon, Muramasa, donc c'est un peu sympa, mais qu'est-ce que c'est à la fois un jeu. Ça peut être comparé à une sorte d'action RPG, ça peut être une sorte de beat'em all, ça peut être considéré comme un Metroidvania d'une certaine manière. On a un mode de difficulté plus dur, donc on part d'une sauvegarde, mais ça c'est un grand classique dans les TAS. Parce que une des règles de TAS vidéo pour publier un TAS, c'est qu'il soit, si possible, dans la difficulté la plus haute. Là, le principe, c'est qu'on n'a qu'un seul point de vie qui est marqué en haut à gauche. Et donc, ça va être l'enfer. Mais. Vous allez voir, ça c'est un truc rigolo, elle va quand même prendre des dégâts, mais c'est pas très grave puisque on peut en fait cancel les dégâts qu'on a pris si on fait des parades au bon moment. C'est un peu particulier. Alors pourquoi ce jeu? Parce que il est super beau quoi. C'est magnifique. Donc il y a deux modes de jeu, on peut jouer en gros le mec ou la nana. Même si c'est plus compliqué que ça, parce que justement on est l'âme du futur mari justement de Momoïme dans le corps de Momoïme, c'est un peu compliqué mais c'est comme ça. De manière générale, en fait, tout ce qui est référence à l'histoire ou même au folklore japonais, je vous renverrai plutôt vers le speed game de Remake Record Ronald qui est très 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 complet. Avec juste un détail de plus qui est rigolo. Momoïme, ça se traduit en princesse pêche. C'est marrant. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Enfin. C'est marrant en tout cas. C'est marrant parce que quand ça s'est sorti, c'était. Il faut voir qu'en fait, le TAS sous Dolphin, donc l'émulateur Wii et GameCube, le premier TAS avait été Mega Man 10, mais en fait, tout le monde attendait en fait un premier vrai jeu de la Wii. Après, il y a eu le TAS de World of Goo qui était le premier qui utilisait la Wiimote, et enfin, il y a eu le TAS de Muramasa, et c'était un peu. Tout le monde s'est dit, ah ben ça y est, enfin, un vrai jeu Wii qui est TAS. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que t'as même pas besoin de connaître, de comprendre quoi que ce soit, c'est vachement agréable juste à regarder comme ça, c'est tellement beau. Les TAS de Odin Sphere, non, zombie fanboy, simplement parce que les TAS de PS2 c'est encore très expérimental. Pensons aux TAS vidéo, il n'y en a pas. Et des Japonais en ont fait par contre de TAS. C'est Akila qui me parlait des TAS de DQ8, notamment qui est sur Nico Nico. Faudrait que je regarde un de ces quatre. C'est vrai qu'on peut. Ouais, c'est vrai que son kimono est un peu couleur pêche, rose jaune comme ça. Bref, je pense que vous avez compris le principe, hein. C'est de la grosse baston vénère. On a plein de coups, on a des coups spéciaux, on a trois sabres en même temps qu'on peut équiper, échanger. On peut forger ses armes pour les améliorer de certaines manières et ça change les couleurs, etc. Enfin, c'est extrêmement complet. C'est juste méga classe à garder quoi. Et puis comme ça en mode difficulté max, voilà, aucune prise des dégâts. C'est assez marrant puisque la description justement du TAS dit no damage, mais aussi take damage to save time, à cause du système de parade que j'expliquais plus tôt, qu'on peut prendre des dégâts, mais c'est pas grave, ils sont comme ça. Alors ce TAS c'est une histoire assez intéressante, puisque Rachel en avait fait une première version qui a duré une heure et quart. Et dans la submission, en fait, plein de gens ont trouvé comment améliorer des choses, notamment au niveau de la manipulation de la chance. Puisque une des choses qui arrive beaucoup dans ce jeu, c'est qu'on se déplace de zone en zone et on se tape des combats aléatoires en rentrant dans une zone. Et justement, c'est une grosse part d'amélioration de cette phase, ça a été d'améliorer ces combats random pour soit ne plus en avoir, soit en avoir des plus courts dans certains cas. Une des principales choses aussi qui peut être fait quand on rencontre un combat aléatoire, c'est d'utiliser une smoke bomb et de s'enfuir. Et voilà, comme dit Chico, il n'y a pas de test complet de DQ8, mais il y a des Working Progress. Et pareil, voilà, c'est très impressionnant ce que me disait Kira. J'ai pas encore maté, parce que bon. Nico Nico, c'est un poster. Heureusement qu'on peut virer les commentaires sur les vidéos.
ça c'est marrant, puisque donc elle avait fait ce premier task qui était en 1h12. Et ça avait motivé en fait un type, Yukai, qui est de SDA, à speedrun le jeu. Et du coup le type a speedrun ce jeu et a découvert plein d'améliorations à faire sur le task qui sont du coup implémentées dans ce task là. Notamment des améliorations sur les boss. Énormément. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a notamment. Je crois que c'est le. Non, c'est dans 3, c'est dans deux boss de là, donc on en est loin. Là, c'était le moine bleu qu'on a fait. 536 frames de mieux que la version d'avant, cela dit. Mais ouais, les jeux VanillaWare, si vous connaissez pas, hein, c'était Odin Sphere qui avait beaucoup fait parler de lui en fin de vie de la PS2. Parce que en 2D est magnifique. Et après celui-ci, sur Wii, qui a fait un carton au Japon, le jour de sa sortie, ils ont écoulé tous les exemplaires. Voilà, cash. C'est toujours bien hein, quand un jeu sort comme ça, de manière aussi brutale. Et c'est marrant de se dire que sur TAS Vidéo, on n'a pas encore de TAS PS2, mais on a des TAS Wii. Il faut voir en fait que l'émulateur PS2 actuel, c'est PCSX2. Il est pas mal, il est plutôt stable, et surtout maintenant il est vraiment compatible. Le problème, c'est toujours pareil, c'est l'inclusion des outils pour faire du TAS. Et il y a une règle, enfin un peu débile on va dire, enfin pas vraiment débile mais bon discutable sur TAS Vidéo, c'est en gros pour qu'un émulateur soit considéré comme utilisable pour du TAS, bah, il faut faire un TAS avec. C'était le cas pour Dolphin, celui-ci. Quand il y a eu le TAS de Mega Man 10, c'est à ce moment-là où les gens ont dit ok, eh bien Dolphin est un émulateur sur lequel on peut faire du TAS. Et c'est à cette époque-là que Rachel, l'auteur de Stas, est arrivée dans la communauté Dolphin et s'est intéressée justement au développement. Et c'est elle qui a amélioré justement les fonctionnalités de Stas pour cet émulateur, donc pour la GameCube et pour la Wii, histoire de simplifier les choses. Que les premières versions, c'était un peu la catastrophe. Il fallait faire deux fois Frame Advance pour avancer d'une frame. C'était... quand on sortait d'une save state, quand on faisait un re-record, il fallait faire deux Frame Advance pour pouvoir avancer d'une frame. Enfin, c'était une galère monstre quand tu voulais faire du TAS à l'époque. C'était pas du tout bien foutu. Et Rachel a amélioré ça, amélioré ces fonctionnalités-là. C'était un peu son projet perso pour faire du TAS, justement. Et ce sont les TAS qu'on va voir ce soir, que je vais vous montrer. Et elle a pas fait que ça d'ailleurs, elle a pas fait que les outils TAS, elle a aussi amélioré grandement tout ce qui est gestion de la Wiimote. Et ça, pas que pour le jeu classique, et récemment, on peut le dire, l'implémentation aussi du classique contrôleur, de l'utilisation du classique contrôleur sur l'émulateur. Alors quand vous la voyez avancer à toute vitesse, ce sont des zones où on peut se taper des combats aléatoires, c'est manipulé pour pas qu'il y en ait, ou bien qu'il y en ait peu, et parfois il y a des arrêts d'une frame, juste pour pouvoir éviter un potentiel combat aléatoire. Dans certains cas, certains ne sont vraiment pas évitables en bas d'une smoke bomb, donc, ou même dans certains cas, on va carrément tuer les ennemis, parce que ça va plus vite qu'utiliser une smoke bomb. Ça va dépendre de chacun des cas. Pas de tasse sur Okami. Non, il y a ma fantôme, mais j'aimerais beaucoup. est-ce qu'il est sorti sur... Oui, il est sorti sur Wii, Okami. Parce que je vois la version PS2, PS3, mais il doit être sur Wii, non, Okami. S'il est sur Wii, oui. On pourra faire... Oui. il pourrait y avoir une version tassée. Ou bien attendre, voilà, d'avoir enfin un émulateur PS2. Pour faire du tasse, ce qui serait pas mal. Parce que punaise, depuis le temps... Ça doit être là, run Okami. Je crois pas, parce que t'as des hauts B dans tous les sens, il me semble, dans le speedrun. Une version Wii, c'est bizarre. Ah oui, c'est la version Chibi, je crois, non? C'est ça? La version Wii de Okami. Sorti sur Wii 2 ans après la version PS2, d'accord, merci. Ah non, c'est sur DS, je crois, la version Chibi à laquelle je pense. Qui est un autre jeu. Tandis que Card 7 me parle. Une heure pas plus le TAS, ouais, voilà, pas grand chose.
Oui, si je remets les bons trucs au bon endroit, ce sera mieux. Comment faire réaliser mes fenêtres, moi, ce soir? Je suis pas habitué encore, hein, au passage sur Twitch. J'ai pas encore mes fenêtres bien à l'aise comme il faut, voilà. Ou Camiden sur DS, merci. Ça, je vais faire pas mal de mouvements à la Wiimote qui sont pas pressés à 100%. Oh, bon sang, quelle erreur, oui, d'accord, si elle contrôle la Wiimote. C'était le même problème avec Donkey Kong Returns de mémoire. Il fallait faire des moulinets pour faire les roulades. Et je crois qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Quelle horreur, quoi. Bon sang, quelle mauvaise idée. Il y a son chibi sur DS, d'accord, c'est ça. Visuellement, ça reste vraiment une claque. De toute façon, les jeux 2D, outre le fait que ce soit indémodable, c'est vraiment, vraiment magnifique. Donc voilà, on a Muramasa, le forgeron. Bon, Muramasa, toujours en opposition à Masamune. L'un, le forgeron fou qui fait des épées maudites. L'autre qui fait les épées sacrées, etc. Bon, c'est 3 siècles plus tard, hein, Masamune, de mémoire. Donc, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on trouve énormément, non bon, outre dans le folklore japonais évidemment, mais aussi du coup dans les jeux vidéo. Je pense à tous les jeux de Camelot, donc Shining Force, Golden Sun, etc. Où on a des armes ultimes qui sont toujours des armes maudites, ce qui est très très nul en fait. Ils utilisaient jamais, hein, c'est de la merde. Et c'est un peu toujours ce principe là quoi. Les armes de Muramasa sont les plus fortes, mais elles sont maudites et elles vont te tuer. Pourquoi un hommage Space Vector? Ben, il faudrait attendre la fin pour le savoir. Même si je pense que le chat va te spoil d'ici là, avant même que tu aies ma réponse. Le fameux moine. Je vous amène de mémoire au deuxième boss, Wanyudo. Voilà. C'est pareil, ça c'est un élément du folklore japonais qu'on retrouve souvent. C'est d'ailleurs un boss dans Act 13. C'est la roue enflammée. Je sais pas si c'est un vrai nom. C'est pas un démodable, c'est deux démodables. Merci Anna, merci beaucoup. Je suis content de compter. L'exemple que je donne souvent en matière de 2D vraiment réussi, c'est pour moi le plus beau jeu de la PlayStation, c'est Legend of Mana, qui est non seulement un jeu 2D, mais surtout un jeu de fin de vie de la PlayStation qui est vraiment 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 superbe et qui a en plus une direction artistique merveilleuse. C'est un jeu, vous y jouez aujourd'hui, ben à part les temps de chargement et la résolution, d'accord, c'est le 301 par 223, d'accord, ça reste pas dégueu quoi, c'est vraiment très très classe. Voilà, regardez un peu le détail des animations du boss, c'est vraiment très très cool quoi. Bon évidemment, comme on est en tasse, manipulation de l'IA à mort pour qu'il agisse le moins possible et qu'il soit le moins agressif. Pour ça, vous voyez, après faire des enchaînements, hop, un petit coup, manipulation du comportement. Et qui a une scène de ouf. Ah bah oui, il y a même un fantôme, c'est Yoko Shimomura quoi, excellente compositrice. Je sais pas comment on l'apprend. Avec un couteau et une fourchette, Anna. C'est exact, toi, là, que tu dois prendre. Salut, Mérimé. Alors, c'est sur ce boss-là, c'est assez rigolo, parce qu'elle a amélioré le katana, justement, pour faire des dégâts de 5% de bonus en plus, mais en fait, elle a gagné que 81 frames. Bon. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, quoi. Alors sur ce tasse-là, on reste sur un, entre guillemets, un contrôleur GameCube. Si je ne m'abuse au niveau du mouvement, il n'y a pas utilisation de la Wiimote sur celle-ci. Donc entre guillemets, techniquement, ça va être moins intéressant que d'autres tasses Wii qui vont utiliser la Wiimote, ce qui est, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, la... c'est un truc assez marrant justement. Les complexifications techniques de l'émulation à cause des choix techniques des consoles. C'est-à-dire qu'on s'est d'abord retrouvé avec un bouton, deux boutons, 8 boutons, 6 boutons, ce que vous voulez sur la manette. Ça, ok, tout va bien, il n'y a pas trop de problème. Puis après, la Saturn te rajoute un stick analogique, puis la 64 aussi, puis la PlayStation en met deux. Donc déjà, émuler ça, c'est déjà beaucoup plus galère.
Et là, c'est encore pire, on se retrouve avec un gyroscope à émuler. Oh. Au final, c'est pas si compliqué que ça, parce que c'est considéré un peu comme une souris, si vous voulez. Ça sert de pointeur, en fait. Et donc, on va fixer... Enfin, le principe de l'émulation de la Wiimote, ça va être vraiment des coordonnées XY d'affichage à tel endroit, qui vont être ton curseur, et après, donc, les boutons d'action, bien sûr, comme des boutons classiques. Donc finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais l'implémentation n'a pas été facile du tout. Avec le Wii Motion, ça va pas être différent, ça va être différent, non ? Wii Motion Plus. Bah techniquement, ça change pas grand-chose, parce que la seule différence qu'il va y avoir entre une Wii et le Wii Motion Plus, c'est juste la qualité du capteur. Enfin, la qualité, on va dire, de la précision du gyroscope. Là, comme on est sur émulateur, en fait, on a même pas besoin de l'utiliser. Puisqu'on va émuler, justement, l'utilisation d'une Wiimote. Après, tu peux utiliser ta Wiimote, justement, sur l'émulateur, c'est un peu gros intérêt, mais punaise. Les drivers Bluetooth, etc., etc., c'est galère. Mais ça se fait, hein, vous pouvez jouer à la Wiimote sous Dolphin. Faire du Mario Galaxy sur votre PC, c'est juste un peu galère techniquement, mais ça se fait. Une version Kinect, oui. Ouais, alors là, l'émulation Kinect, on n'y est pas. Il n'y a même pas... Enfin, j'ai jamais touché un émulateur Xbox déjà. Puis je parle de la première Xbox. Hein. Ça doit exister, hein, forcément, mais j'en ai jamais vu. Et là, avant de parler du TAS, voilà. Et il faut du Bluetooth pour la Wiimote sur PC. Ouais. Oh, Star Storms. Ouais, il est sur... C'est vrai qu'il est sur Vita aussi. Ils l'ont réédité avec des trucs en plus de mémoire. Ils ont rajouté des persos, etc. Mais putain, les visuels de ce jeu sont vraiment, vraiment superbes. Les Anna, hein, deux démodables, la 2D, c'est vraiment super. Là. En plus, c'est simple, hein, regarde, vous mettez un simple parallaxe, merde, c'est inventé dans les années 80 le parallaxe, ça quand même. Et ça marche, hein, pas de problème. Plusieurs plans superposés qui défient les vitesses différentes, et voilà, pas de problème. Ça vous fait un fond bien comme il faut. Deux DLC en plus sur Vita, et d'accord. Ce que disait RM et CDV dans Speed Game, c'était que justement les Vanillaware, donc qui font ce jeu-là, galéraient pour trouver des bons designers 2D, des bons animateurs 2D justement. Et donc ils embauchaient des illustrateurs, des graphistes, et ils les formaient eux-mêmes à l'animation sur leur propre graphie, sur leur propre graphisme, je vais y arriver. Hop là, la petite smoke bomb. Ah ouais, pour une console, on dit qu'il y a souvent soit des jeux gadgets, soit des jeux casu, j'aime pas beaucoup ce terme, soit du portage, etc., ou des jeux qui marchent mal, bah il y a quand même des bons jeux, malgré tout, sur Wii. Oh, Lady, c'est gentil. Je suis étonné qu'il y ait du monde déjà tout court, hein, qui soit là, parce que, bon... Mais ah, ils s'en tiennent quand même, ouais. Je pensais que tout le monde irait voir Antoine Daniel, le Fossoyeur et Karim. Kuta Sensei, je dirais même plus, il y a des bons jeux sur toutes les consoles. Même sur la N-Gage, je suis sûr. On va demander à Biff, mais je crois que oui. N'oubliez pas, il y a un Elder Scroll sur la N-Gage.
Ouais. Voilà, le futur mari possédé. Là, super, tu lui pètes son arme. Lui aussi a plusieurs katanas, sauf que là, en fait, il va mettre 3 pompes avant d'en changer. Parce que la manipulation de la chance. Ah, c'est qu'il y a Brawl sur Wii déjà. Oui, qui ne joue. Alors là, Rachel dit qu'elle n'est pas contente du tout de la dynamique du combat. Puisque. Les améliorations, 553 frames d'amélioration sur la version d'avant, c'était juste parce que elle l'a forcé à rester au sol et à le bourrer, voilà, exactement comme ça, au lieu de l'enchaîner en l'air, ce qu'elle aurait préféré. Et manipulation de la chance, bien sûr, pour attendre vachement longtemps avant qu'il change d'arme. Voilà, il change enfin de katana alors qu'il l'a cassé il y a super longtemps. Hop, recassé, merci, au revoir. Et quelque chose d'autre qu'il utilisait aussi, c'est de se déplacer à travers le boss quand il attaque pour éviter son attaque parce qu'il tape super 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 fort. Bon, en même temps, on a qu'un seul point de vie, donc ça aide pas non plus, c'est sûr. Prochaine Kali, SMG 1 et 2, Muramasa, Son Goku Basara. Voilà, c'est quoi la meilleure console? Coucou Julie, j'ai plaisir de te voir aussi. Allez, là super, clac clac, on recasse le... on lui recasse le katana. Aucun problème. Mais ouais, ce boss, c'est très 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 grosse difficulté. J'adore ce genre de mouvement dans Tas. Pendant les moments d'attente, les mouvements absurdes, droite-gauche, improbables. C'est toujours très drôle. Il y a un mode APV. Oui, il y a un mode APV. C'est le, justement, c'est le mode. Je sais plus quel est le nom exact. Hop là, je vais essayer de le retrouver. Parce qu'il a un... C'est un mot en japonais étonnant, n'est-ce pas? Faut regarder dans l'ancienne. Submission. Hardest difficulty. Oui, c'est très gentil. Crah, c'est pas marqué à ce moment-là. Preview TAS. Hop, hop. Je ne sais plus quel est le nom exactement du mode 1PV. Mais oui, qui est débloqué que en New Game Plus. Voilà, qui unlock si on finit avec les deux persos. Merci. Merci, Erwan. Mais ouais, refaites le jeu en pensant que vous jouez Princess Peach, c'est rigolo. D'ailleurs, histoire de vous tordre un petit peu plus la tête, hein. On joue l'âme d'un mec dans le corps d'une femme, et ce tas a été fait par une femme trans. Voilà. Les bastons random, hop là, on est gentil, on s'enfuit. C'est pareil. Ah, c'est vraiment superbe quoi, le fond. La seule référence que j'ai, c'est que ça me rappelle les montagnes d'Endaru dans Chrono Trigger. Mais vraiment, vraiment, vraiment superbe. Bon, si ça, ça donne pas envie, hein. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. J'aime bien parce qu'un des commentaires, un des premiers commentaires, je sais plus qui c'était,
disait quoi, on court vers la droite pendant une heure, vraiment c'est un peu chiant les Press Right for Great Justice, c'est le surnom qu'on donne au jeu où il faut faire ça, grand classique de la NES. Sauf que bah là non en fait, hein, y a quand même de la balade, on peut revenir en arrière, enfin voilà, c'est quand même un peu de promenade. Donc, notamment Princess Mononoke, ouais, mais en même temps on est en plein dans le même folklore, comme dirait l'autre. Ce qui est bien, c'est qu'il y a rien besoin de dire, quoi. Il suffit juste de regarder, c'est beau, c'est classe. C'est bien quand c'est comme ça. Les bons vieux ninjas, obligatoire. Bonne soirée à toi, Kuta Sensei, merci d'être passé. Ouais, mais ça peut vraiment penser à Legend of Mana, quoi. C'est pas seulement fait que ce soit de la 2D, mais. De la 2D réussie, j'ai envie de dire. Mouvement improbable pour atteindre directement les sorties. Et vas-y que je slide dans l'air et que je fais une attaque, une double roulade. Et j'arrive pile comme il faut sur la plateforme. Y a pas de problème. Il y a un truc qui m'avait étonné dans le speed game, mais ils avaient sans doute raison, je connais peut-être pas assez, ils parlaient justement de l'air et d'eau, donc celle où on est, en expliquant justement que c'était les Néerlandais les premiers à avoir navigué justement au Japon. Moi je pensais que c'était les Portugais, et qui avaient amené justement énormément de culture culinaire, notamment tout ce qui est friture, les tempura, etc., qui viennent justement des Portugais. Mais je me trompe peut-être. Décor dans le torrent, dans la cascade, partout, c'est tellement le sage des gâteaux dans Garou. Les références. Hop là, c'est reparti pour la forge. Point d'Atara. Je ne me trompe pas. Ah, c'est une méthode qui est assez marrante pour gagner beaucoup de temps. C'était d'attendre que la première base finisse de se vider pour pouvoir faire descendre la deuxième barre de vie plus rapidement. Une amélioration de 3639 frames juste sur ce combat. Et on va être le premier à faire du fric, ouais. Et les Français sont Samurai Champloo. Ah oui, d'accord. Pas encore regardé Samurai Champloo. Mais merci à Pupito. Et bonsoir à toi, Kigeru Kanu. Les animations sont merveilleuses. La forme sanglier, c'est celle sur laquelle il prend plus de dégâts, et donc c'est ma manipulation de la chance ici pour que le boss reste dans cette forme plus longtemps.
tour au pied. J'adore le principe de ces boss géants comme ça, où on a juste à taper les orteils pour les achever. Ça fait très Dark Souls. Retour de la forme sanglier. Encore une fois, hein, c'est celle où elle prend, lui prend plus ses dégâts. Je sais pas du tout ce qu'il en est du speedrun de ce jeu, parce que comme on disait Yukai, donc c'était mis à speedrun ce jeu à la vue du premier tas, de la première version du tas plutôt. Du coup, je sais pas du tout s'il y a encore une scène active ou pas sur ce jeu, mais c'est dommage que ce soit pas plus mis en avant, parce que c'est, outre le fait qu'il soit magnifique, c'est vraiment un jeu cool quoi. Mais je suis d'accord avec Koala, Cowboy Bebop. Il y a au moins Trinias qui speedrun, c'est pas si l'autre genre. D'accord, merci Senan. Je ne savais pas. Oui, je sais quoi là, Samurai Champloo. On me l'a déjà conseillé. La personne qui a parlé juste après toi sur le chat m'a déjà dit grand bien et c'est pas la seule. Fantôme qui préfère Rémi sans famille. C'est un livre français à la base, Rémi sans famille, qui a été adapté au cinéma d'ailleurs. Ou en téléfilm, mais il me semble plutôt que c'était au cinéma à l'époque, il y a très longtemps. Oh, c'est affreux, Rémi sans famille. Regardez pas ça. C'est déjà assez déprimant comme ça. Pas besoin de ça. Hein. Oui, justement, Julie, je sais que t'as les DVD chez toi, c'est pour ça, ça que je pensais justement. On se les gardera sans doute, enfin, si tu veux bien sûr, à l'occasion. Moi, ça me tente, bien sûr. De la smoke bomb, en veux-tu, en voilà, on se voit dans FF6, hein, vraiment. Gaffe, enfin, moi je dis, ça commence par les smoke bombs, ça finit par faire des manipulations en utilisant des objets qui vont créer des habilités, et on finit à la fin du World of Rune. Oui, même dans mon ramassard, je veux pas le savoir. Fini au fond des enfers, si vous préférez, mais ça marche. Bon, très classique, hein, les bambous, bien sûr. Mais c'est réussi. Les effets d'ombre comme ça jusqu'au sommet. Bah, c'est classe. C'est simple, c'est réussi, c'est classe. J'aime beaucoup. C'est bien parce qu'on peut profiter justement de voir tous les détails. Un truc que tu fais pas forcément quand tu joues, parce que tu joues justement. Poser justement de plein de détails, à regarder un peu le toit qui change d'angle au fur et à mesure qu'on avance. Enfin, c'est con, mais ça marche quoi. Ça rend vraiment très très bien quoi. Plein de bonnes idées. Quoi, je veux dire, même pour moi, on a pas animé avec des bonnes gens. Non, non, je ne pense pas, quoi là. Je ne pense pas qu'il dirait non. Ça tombe bien, comme je viens de remater les Cowboy Bebop, ce serait bien d'enchaîner sur Samurai Champloo. Le mouvement en plus était bon, bien évidemment prévu, évidemment, mais surtout nécessaire pour de la manipulation. Pareil ici, on évite un combat aléatoire. C'est pas que des droites-gauches, hein, il y a parfois de l'attente en plus. Pas vraiment une frame rule en fait, hein, c'est juste un compteur d'aléatoire. Smoke Bomb, merci, au revoir. Mais en tout cas, ça a été vraiment un des tasses qui a pavé, entre guillemets, l'utilisation de Dolphin pour les tasses. Depuis, il y en a eu bien d'autres, bien évidemment. Je pense à des plus récents, New Super Mario Bros. Wii de Gotan, et puis bien sûr Ikaruga.
deux joueurs de Killai. Même dire c'est de la GameCube, c'est pas de la Wii U, mais c'est pareil. Ça qui est marrant, ça, c'est que comme la structure, enfin comme l'architecture et la console est la même, c'était très facile de faire une console qui faisait les deux supports. La seule différence, c'est justement la gestion des périphériques, qui allait rendre les choses compliquées, quoi. Salut Motsumi. J'ai bien les panneaux qu'on a fait parallaxe. Effectivement, bah c'est fixe. C'est magnifique, justement. Les montagnes qui sont du coup derrière la forêt, littéralement. Du coup, on a l'impression que les différentes phases sont vides. Ouais, bah oui, manipulation de la chance. C'est un peu le problème. Mais bon, c'est classe, quoi. Puis bon, c'est normal, hein, tasse. Il faut bien se forcer. La chimère. Là, c'est grâce à la forge de l'arme qui a été faite plus tôt, comme pareil pour Ippon Datala. Grosse amélioration par rapport au combat d'avant 2754 frames. Et c'était galère, il paraît, de garder le combat en aérien, quoi. Et c'est grâce à Yukai qui a trouvé comment bien faire les bons enchaînements au bon moment pour qu'il n'y ait aucune action de sa part et que ça passe bien. Comme quoi, hein, toujours les speedrunners aident les tasseurs inspirent les speedrunners, c'est beau. Il y a souvent des gens qui s'imaginent que c'est deux communautés qui s'aiment pas ou des raisons comme ça. Il y a des cons qui aiment pas les tasses, qui disent que c'est de la merde, c'est pas de la compétition. Mais on s'en fout, c'est pas de la compétition, c'est pas le but. Hein. C'est de faire un truc joli, artistique et absolu, si on veut. Quelque chose de beau, quoi. Non seulement beau visuellement, j'entends, mais aussi beau dans le sens. C'est-à-dire, tu cherches la perfection, quand même, c'est pas rien. Au final, on l'a quasiment jamais, parce qu'il y a toujours des améliorations. Mais c'est marrant. C'est vraiment repousser les limites de ce qu'on peut faire, quoi. C'est génial. La super attaque, juste à la fin de la barre. Pour descendre plus la grosse barre. Le moulin. L'attaque du moulin, toujours. Chlac, 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 chlac. Mais c'est du tasse, Motsumi. Bien, il me semble que le schéma, c'est le seul boss du jeu qui soit pas un yokai, monstre de la mythologie japonaise. C'est ça, c'est fort possible, Yoshiko, parce que oui. J'avoue que la chimère, moi, je vois ça plutôt chez les Grecs, déjà, de manière générale, ou même chez les Égyptiens, t'en auras. Mais pas trop chez les Japonais. Après, je pense que ça fait partie un peu de... Il y a des créatures comme ça, entre guillemets, mythologiques, qu'on retrouve vraiment dans toutes les mythologies. Vous voyez le phénix, par exemple, il n'y a que chez les Vikings qu'on ne trouve pas. Japon, Sumérien, Amérique du Sud... Oui, il n'y a pas de problème. Vous avez un oiseau de feu. Alors, soit l'oiseau de feu, soit le phénix. C'est deux trucs un petit peu différents, mais... quand même, c'est vachement équivalent. On rigole, Kigeru Kano, mais c'est vraiment plus... Enfin, moi, j'aime beaucoup, justement, cette réflexion-là. Je trouve qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose à penser quand on fait du tasse, et même quand on en voit. Simplement, même quand on en voit, hein, ça d'ailleurs, pas besoin d'en faire pour ça. Il y a vraiment comprendre, justement, voilà, moi, c'était la description que je disais, c'était la recherche d'absolu. C'est vraiment ça, c'est de faire un truc parfait dans un univers fermé, c'est-à-dire un jeu vidéo, pour arriver à faire un truc vraiment impressionnant à voir, non seulement à voir visuellement, mais surtout le fond, le contenu. Le déluge présent dans mon premier. Oui, effectivement. Ouais. Thomas, il le fait. Manga de Tezuka. Effectivement, Yoshikot. Les petits avant-arrière, grand classique aussi. Pour éviter les combats aléatoires, toujours. Hein. Ah, passe privée. Alors faut bien voir que dans ce cas-là bien précis, on est toujours sur une recherche empirique, c'est-à-dire que là on voit « Oh, je me tape un combat aléatoire, comment est-ce que je vais l'éviter ?» Et on trouve la manière la plus rapide de l'éviter, soit en faisant un mouvement avant, soit en revenant en arrière, soit en voyant son plus esquiver, etc., etc., etc. C'est pas du calcul en avance en sachant qu'à tel endroit on va se taper tel combat et donc on va prévoir tel truc. Savoir combien d'objets on va devoir acheter, ce sera du coup déterminé plus tard par rapport au scénario qu'on a eu. Ce qui est toujours un peu compliqué. Au final, il y a très très peu de tasses qui vont faire de recherches complexes pour savoir exactement à l'avance tout ce qui va se passer. C'est extrêmement compliqué. Généralement, on utilise des bots pour ça. Un exemple pour ça, c'était
Alors, soit ce sont des scripts, soit des bots, c'est la même chose de toute façon. Hein. C'était le Tales of Shining Force 2, qui est super court, je crois qu'il dure 2 heures, un truc comme ça, alors que le speedrun dure 8 heures, c'est pour vous donner une idée. Et c'était un script qui testait en fait chaque frame où on lançait le combat, pour voir si on se tapait double attaque, coup critique, des choses comme ça. Et ainsi de suite, c'est comme ça on arrive au scénario parfait, en laissant tourner le bot sans avoir à le faire à la main, heureusement. Comme il disait, ouais, alors il y a 40 000 frames, mais en fait il y en a plutôt 4 millions si on compte vraiment ce que le script il a testé. Perso, plus vraiment, c'est la beauté du truc qui me plaît, ouais, pareil. C'est pour ça que j'aime pas tous les tas, je trouve ça impressionnant mais regardable. Ah oui, il y en a. Il y en a. J'aime beaucoup quand on peut comprendre justement la portée technique de la chose derrière. Là par exemple, ça paraît pas forcément, mais déjà rien que le fait de faire du TAS un jeu sur Wii, ben, c'est vachement cool quoi. D'avoir un émulateur qui est compatible et qui marche bien avec la Wii, puis même qui permet avec les plugins d'avoir un affichage bien plus joli que la Wii. Il y a des comparatifs comme ça de Wind Waker avec tous les plugins améliorés pour faire de la HD qui était très joli. Bon, on n'a pas les shaders de Wind Waker HD, mais quand même, c'est quand même très cool. Et le voilà en enfer. Bon, droite que je droite, hein, toujours pareil. Pas vouloir faire. Justement, sur Wii World of Boo, c'est pas vraiment très agréable à regarder tellement c'est nawak. Ah oui, parce que là, du coup, comme c'est utilisation à la Wiimote, c'est vraiment du mouvement opti à la frame pour de la Wiimote. Une frame là, 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 une frame là. Du coup, c'est difficilement regardable. C'est con parce que techniquement, c'est vraiment. Bah, déjà, c'est le premier TAS à la Wiimote. Et puis, qui utilise, on va dire, la Wiimote, et en plus de ça, c'est. C'était un des très 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 gros. Des très gros. Enfin, vraiment, un truc qui avait énormément impressionné à l'époque. Je sais que certains speedruns sont super jolis, mais d'autres ne sont pas top. Par exemple, le speedrun de Dark Souls 2 n'est pas terrible, j'aime pas trop le passage à la mur. Bah, après, ça va être les différentes catégories, c'est encore différent. Parce que t'es pas obligé d'utiliser les glitches que t'aimes pas, hein. Ça c'est toujours pareil. Chacun fait son speedrun à sa sauce, hein. C'est pas un problème. Là, il y a grand débat, par exemple, sur Link's Awakening, parce qu'il y a un nouveau trick qui a été trouvé qui est révolutionnaire qui permet de skip plein de trucs, mais ça gueule parce qu'il y en a un de ces skips qui fait un OOB, du coup est-ce que c'est la même catégorie, machin, est-ce qu'on doit utiliser ces... Enfin, voilà. S'ensuit des discussions interminables et pas très intéressantes où au final, faites ce que vous voulez, amusez-vous, si ça vous amuse de le faire, ce skip là à tel endroit, faites-le, c'est tout, on s'en fout qu'il y ait des catégories de ceci ou cela. L'important c'est de s'amuser, hein. ça reste du jeu vidéo. Même Skyward Sword qui est magnifique sur Delphine. Oui, ouais. Bah, de toute façon, tous les gens entre guillemets de fin de vidouille, milieu de vidouille, c'est ça. Voilà quoi, là, ouais, le Super Jump. Dans Link's Awakening, c'est ça. Et de descendre d'une falaise qui n'existe pas et de faire un saut par-dessus les murs. Soit au niveau catégorie, mais que ce soit joli et impressionnant. Bah ouais, ça va pour vraiment dépendre des jeux et des speedruns, quoi. Parce que... Dark Souls 2, c'est vrai que... Bon, par exemple, particulièrement Dark Souls 2... C'est vrai que, bah, tu traverses les murs, tu glitches dans tous les sens, tu utilises les jumelles pour aller plus vite, enfin voilà, t'as plein de trucs. Et c'est... Eh bien, le gros Oni, Big Oni, s'appelle, ok. Alors j'avais lu que Oni c'était ogre, mais ça voulait aussi dire démon de manière générale, mais pas forcément démon dans le sens maléfique, mais juste, comment dire, être facétieux, si on veut. Mais vous me corrigerez si je dis de la merde. Je me suis presque fait insulter sur un stream en sortant de la sortie par chaîne. Je sais pas chez qui t'as été, Cassie, mais malheureusement ça ne m'étonne pas. Bon alors, Bigoni. Troisième boss d'affilée à être parfait. Jusqu'à sa dernière barre de vie, comme on dit. 3267 frames améliorés ici. Grosse manipulation, surtout améliorée, pour faire que le boss tape moins, pour pouvoir plus le bourrer. Donc voilà, très grosse amélioration par rapport à la version précédente. Léonie, c'est certainement le gars le plus connu, mais c'est devenu un large bestiaire de démons. C'est ce qui me semblait, ouais. C'était pas... C'est très...
incomplet de dire démon en fait pour Deoni. La démolition. Ah bah moi, Alien Phantom, justement, les tasses où les speedruns où le jeu va être cassé en mille morceaux, ça m'amuse énormément. Surtout quand ça fait une... Bah justement, ça crée une catégorie à part, encore une fois. Par exemple, voilà, FF3 et 10% en 6 minutes, je trouve ça hilarant. FF4 avec le glisse des escaliers, je trouve ça absolument génial. C'est ce qui m'a motivé, justement, à acheter la cartouche. Mais après, par exemple, moi, je vais apprendre FF4 avec le glisse 64 étages, mais je vais pas runner ça de façon compétitive. C'est vraiment juste pour apprendre un truc rigolo. Ça va pas être, voilà, je vais pas faire de la compétition, etc. Sur un truc comme ça. Pareil pour FF3, si jamais je l'apprends, ce sera pas pour faire de la compétition et pour grappiller 3 secondes parce qu'on a tapé avant le boss quand on se tape Genbu, quoi. Yoni, c'est des grosses bébêtes en panne avec une massue. Merci Koala. Mais bon, encore une fois, hein, le speedrun, le TAS, pareil, c'est extrêmement vaste. Et c'est cool que ce soit vaste, ça permet vraiment d'avoir plein de choix, plein de possibilités. Faut pas se limiter à une vision d'un jeu vidéo. Faites vos catégories, amusez-vous de la meilleure manière qu'il faut, c'est ça surtout l'intérêt. Vraiment. Surtout, s'amuser. Les cerisiers en fleurs, je pense que ça c'est voilà à peu près le truc le plus classique de chez classique qu'on verra dans l'imagerie japonaise. La spéciale et merci, au revoir. Ah même pas, ça les a pas tous tués. Il faut quand même finir à la main le combat. Ah la perte de temps. Mais en japonais une smoke bomb, donc c'est pas si mal. Il me permettra de skip un combat plus tard. Il y en a pour tous les goûts, exactement. Je pleure l'idée qu'on skip Puritas. Ah bah oui. Quand tu vois, c'était Secret of Evermore où tout s'est mis à se faire skip en 6 mois. Le speedrun est passé de 2h30 à 1h10. C'était assez ridicule. Il y a plein de jeux comme ça au final. C'est vrai qu'on skip des bonnes parties et c'est un peu agaçant. C'est vrai que ouais, Puritas de FFC de Secret of Mana, c'est un peu décevant qu'on le skip. J'adore cette zone aussi. Mais voilà, après tu peux faire une catégorie glitchless où tu vas faire du boost sur tout le monde pendant tout le long du jeu, où tu fais Puritas avec que boost, de toute façon boost ça tue tout dans ce côté, là j'exagère mais boost et glaçon en général, ça va être vraiment les deux sorts principaux, et puis rayon lumière bien sûr. C'est quand même très très sympa le fait justement que ce soit si vaste, si large et qu'on ait autant de possibilités. Faut vraiment pas se limiter à une vision d'un jeu. Encore une fois, faut s'inventer ses catégories. Moi, Wonder Boy 3, ça m'amusait d'y jouer comme ça. Jouer à la manette Wii en faisant des gauches-droites ou alors en utilisant l'épée pour casser le jeu, ça m'intéressait pas, je voulais faire tous les donjons. J'ai créé ma catégorie rigolote et puis voilà. Et je m'amuse. Je suis la seule à y jouer, du coup j'ai le pire temps au monde techniquement. Mais ça m'amuse, c'est ça qui est important. C'est aussi parce que j'ai pris un malin plaisir non seulement à jouer au jeu, mais aussi à router surtout, créer ma route. Et l'améliorer petit à petit et passer d'une heure et quelques à 45 minutes. C'est quand même très très cool. Hop là, les smoke bombs, toujours très bien à avoir. Enfin voilà, faut s'approprier les speedruns, s'amuser avec. Surtout trouver ce qui vous plaît, hein, c'est ça l'important. À jouer ou même simplement à regarder. Le choix est tellement vaste aujourd'hui, c'est merveilleux quoi. On voit le nombre de runs, le nombre de runners, le nombre de jeux qui sont faits. Et encore, il y en a plein qui sont pas découverts. Vous allez voir qu'on va découvrir un jeu NES complètement méconnu ou Famicom que personne n'avait joué. Et tout d'un coup, ça va devenir la nouvelle coqueluche de tous les runners. C'est toujours assez marrant, quoi.
coup, volcan, tu reset, oui. Y a que en INI% sur Wii que t'as pas reset au volcan, parce que tu skips le volcan, justement, en volant. Et donc t'as pas besoin du drop de l'armure. Mais oui, au volcan, j'ai reset. Toujours. C'est affreux, parce que l'autre catégorie, justement, que je vais apprendre dans Wonder Boy 3, avec la Tasmanian Sword, bah c'est pareil, il faut reset au volcan si tu l'as pas. Comme t'as une monnaie route qui est très stricte aussi. Enfin bref, Wonder Boy 3, quoi. Merveilleux jeu, mais alors, punaise. Hein. On charge la barre, comme ça en début de combat, hop. Ah bah non, même pas en smoke bomb. C'est qu'elle allait faire l'attaque spéciale. J'attends le jour où tous les vrais jeux auront été torchés en speedrun et où tous les runners se mettront au speedrun de point and click et de mist like. Alors il y a des speedruns de mist en une minute et quelques, je crois. Il y a quelques années, à un marathon, à un GDQ, je sais plus lequel, Essentia avait speedrun Monkey Island 2. La réédition d'ailleurs. Très cool la réédition. Parce qu'on peut switcher entre le mode HD et le mode old school en live. Mais oui, il y a quelques speedruns de point and click, c'est discutable, hein, mais bon. Il y a des gens qui discutent sur les speedruns de RPG, donc après tout, pourquoi pas. Faut s'amuser, hein, encore une fois. Mais pas un speedrun, de toute façon, c'est redécouvrir un jeu d'une façon différente, renouveler l'expérience de jeu. Donc, pourquoi pas. Simplement, pourquoi pas. Moi, je ne dis pas non. Les point and click sont des vrais jeux. Ah, on n'a jamais dit le contraire. Après, est-ce que ce sont des bons speed games? C'est ça la grande question. L'exemple que je dirais, c'est par exemple, il y a des très bons RPG, enfin, il y a des RPG qui font des très bons speed games, par exemple Chrono Trigger, qui est même sans doute l'un des meilleurs RPG à speedrun. FF9, par exemple, c'est un très mauvais speed game parce que. Beaucoup trop d'aléatoires, beaucoup trop punitifs, débiles avec. Enfin, c'est débile quoi, c'est juste débile. Alors que Chrono Trigger, tu peux tout manipuler. Voilà, c'est pas tant le fait qu'il y ait plus ou moins d'aléatoire, il y aura toujours de l'aléatoire dans un jeu, même dans Chrono Trigger. Mais déjà, tu limites les frais, quoi. FF9, c'est débile. Et ouais, des runs de point and click. Faudrait faire un marathon speedrun de point and click. Pour de vrai, hein. Ça serait marrant. J'aime beaucoup les doubles roulades dans l'air, double saut pour atteindre le haut des. Le haut, le haut de l'écran sur des plateformes qu'on n'est même pas censé atteindre comme ça. À la fin, tout le monde se mettra au speedrun de Let's Dream. Ah bah, ça serait drôle, tiens. Tu me diras, s'il y a bien du speedrun de roguelike ou de jeu à base roguelike à la Isaac, pourquoi pas, hein, après tout. Il y a un skip affreusement dur à la fin de la run. Il y a un skip même qui est infaisable à la fin de la run, quasiment à la manette, le skip de la carapace. Il est quasiment infaisable à la manette. Alors, du coup, Regine. Pas celui des FF8, hein, bien sûr. Seulement 1015 frames d'amélioré. Par contre, elle dit que ça a coûté beaucoup d'entertainment value, comme on dit, d'amusement visuel. Et voilà, il y a de l'attente, malheureusement, c'est pour ça. Enfin, c'était de détruire les arbres autour d'elle. Pour que ce soit plus facile à continuer d'attaquer sans avoir à tenir avec la Earth Hornet, cette attaque-là, qui ne fait pas assez de dégâts. On s'est trop compté dessus. Terra Nigma, c'est le meilleur RPG à speedrun. Bon, c'est 3-4 heures, ça va encore, c'est pas le pire. Il dirait une Enko. Regarde. Le routing doit être chiant, hein. Moi, j'aime pas Spelunky de Spelunky par pure jalousie. Qu'est-ce que je vous montrerai le tas de Spelunky un jour? Parce que oui, il y a un tas de Spelunky qui est hilarant. Ça te plaira parce que c'est débile. Je crois que ce sont des tambours au cours. D'accord, parce que dans la description, Rachel avait mis que c'était des orbes. On peut très bien s'être trompé. Là, ça ressemble à des orbes, par exemple. Bon, de toute façon, voilà, défonçage de boss.
plutôt une déesse de la foudre, d'ailleurs. Un speedrun de Persona 4, voilà, à 19h, formidable. Ou 22h, hein, selon la console que tu utilises, selon le support. Oui, Yoshi Croot, le Tas de Spelunky, c'est la vieille version, c'est pas le remake. Pareil pour le Tas d'Isaac, qui est fait sur la vieille version. Tambour de Regine, voyons. D'accord, voilà. Ma méconnaissance complète dans le folklore japonais ne fait que s'étendre ce soir. Parlez-moi des Vikings, voilà, là je connaîtrais un peu plus, mais bon. Régine des tambours avec lui, mais là dans le jeu il est plutôt dans la version Invaded Sword. D'accord, merci Julie. Et avant d'arriver à la fin du jeu, parce que oui quand même on en approche, eh ben on va marquer une petite page de pause. Et oui, parce qu'il faut bien. Donc, on se dit à tout de suite pour la pause.
Et donc voilà, normalement c'est tout bon. Ça a dû être parti comme il faut. Au niveau des pubs, toujours un peu galère parce que j'ai aucun retour sur elle, mais bon, normalement ça fait plus de 3 minutes, donc ça doit être bon. Et on est reparti pour la suite. Comme on disait, on s'approche de la fin. Et oui, déjà. Déjà, ça fait un moment déjà. Quasiment une heure qu'on a lancé le TAS. Mythologie de la science des mythos. On peut dire ça. J'ai vu un article il y a quelques temps qui parlait des comics et qui disait que c'était la mythologie moderne. Je trouve ça très joliment dit. On clope un item, on se barre. Le golem de Prague a testé à maternité en tournoi. C'est quoi ça? Je connais pas, j'ai pas cette référence là, Yoshikot. Une étude des mythos, c'est de l'entomologie, oui. Bon, je vous rassure, hein, va y aussi avoir des tasses moches et chiants ce soir, hein, quand même. Bon, il y a quand même deux tasses qui sont très impressionnantes, par contre. Hein. Mais j'ai mis d'abord des chiants, parce que sinon c'est pas drôle. Mais décidément, excellente ambiance, super musique, très bonne DA, bon gameplay. Qu'est-ce que vous voulez de plus hein, pour ce jeu? C'est quoi cette statistique sur les comics? Ouh, c'était il y a longtemps, c'est Yoshikrut. C'était il y a très 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 longtemps que j'avais lu ça. Mais c'est une réflexion intéressante quand même. La mythologie moderne, les comics, c'est vrai, hein, c'est quand ils pensent. C'est un peu ça. Les grandes histoires avec des persos écrits par plein de gens. Et on va dire avec toujours des mêmes figures communes. C'est assez marrant. Ah cool, du tas chiant. Bah oui. De toute façon, comme vous êtes tous en train de regarder Karim Debbache, Antoine Daniel et le Fossoyeur des films, hein, c'est pas très grave. Qu'il y a pas mal d'articles du genre. Ouais, bah c'est possible. Moi je l'ai vu là il y a genre 8 ans donc ça date un peu. Mais j'avais bien aimé cette réflexion là. Des docu sur Arte en 3 parties. Bah voilà. Bah, c'est vrai qu'on peut toujours se demander quelle est la. Quel est le degré, on va dire, des mythologies, entre guillemets, les vraies mythologies, par exemple gréco-romaines, le degré de croyance des gens de cette époque-là? Forcément, ça devait être un peu des histoires folkloriques plus qu'autre chose, sans réel, on va dire, croyance derrière. Il devait sûrement y en avoir, on va dire, où c'était un peu induit dans la société qu'il fallait quand même un peu dire que bon, voilà, ouais, voilà, faut quand même un peu y croire tout ça, du truc, mais bon. Ça peut rester quand même des histoires folkloriques, enfin bon. Je suis un mec dont je sais pas plusieurs choses à la fois, donc non, je fais pas Karim Debbache. Je meurs, on arrive sur Diablo 3 parce que je regarde ton stream. Je suis désolé, Lily. Je vais regarder quand même 2 secondes, savoir s'il est bien. Il a maigri. Enfin, moi, je l'ai pas vu depuis. Punaise, un bail, ouais. Depuis un peu après la sortie du Jour du Grenier sur Young Indiana Jones. Punaise, c'était quoi? En juillet dernier, je l'ai vu du coup. Peut-être que je lui souviens. Hein. Je me souviens plus quand est-ce que c'était. Mais voilà, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de ses nouvelles, surtout. Il était pas lourd réveillant en plus, inadmissible. C'est mon copain, c'est plus ce que c'était, vraiment. Surtout que Karim rate le réveillon, c'était un running gag chez Nesblog, mais. Pour des mauvaises raisons en plus, en général. Mais bon, comme ça concerne sa vie privée, je vais pas vous raconter. Le temps qualitatif dans une société moderne macro au calendrier. Waouh! C'est beau.
Non, parce que c'est papillon de toutes les couleurs, je suis sûr d'en avoir vu dans Symphony of the Night. Je sais pas si c'est une référence à quelque chose. Parce qu'il y a une référence que je n'ai point. Comme de nombreuses choses, vous l'aurez remarqué dans le folklore japonais. Je suis pas du tout. Je ne suis pas une weeb comme diraient les autres, je suis désolé. De toute façon, les positions, je pensais qu'il était mort. Son passage, Angel, que je regarde. Je me rassure. Ça fait 2 ans qu'on attend sa prochaine vidéo. Ça fait 1 an ou 2 ans, 1 an et demi? Je sais même plus. Non, ça fait 1 an, 1 an et quelques que Cross est fini, c'est ça? Je sais même plus, punaise. Et hop, on continue la forge. Toujours plus de patates, bien sûr. Il n'y a pas eu dans plusieurs épisodes des défis du challenge, effectivement. Et il y a ma fantôme. Et on retrouve notre mari, enfin notre futur mari. C'est la baston contre eux. Fudo Miyu. Donc la grosse amélioration, c'est qu'au lieu d'être niveau 14 comme dans sa run d'avant, bah, elle est niveau 12. Et au lieu d'utiliser une attaque, une épée niveau 33, elle utilise une épée qui tape à 53. Qui devrait normalement requérir le niveau 14. L'absence de barre de vie a fait que ce combat était plus facile à améliorer. D'accord. Faire à peu près 70% de dégâts en plus par coup, c'est sûr. Alors que le boss a moins de points de vie, oui, ça aide. Et donc, ouais, 5152 frames améliorés sur ce combat. Oui, ça fait vraiment beaucoup, effectivement. Petite pelle, oui, c'est à 19h que ça a commencé aujourd'hui. D'accord, merci Cassia, je viens de m'arrêter justement. Mais bon, ça va, petite pelle, et ça a commencé à 19h ce soir. Et j'aime beaucoup les attaques, les lotus qui t'attaquent. Donc, c'est vraiment le boss, voilà, faut taper. Et bim! Mais par contre, c'est pas la bonne fin comme ils expliquaient dans Speedgame. Si vous ne l'avez pas vu, je le conseille encore. Il est vraiment très complet au niveau des explications, surtout au niveau du folklore. Moi, par contre, je suis complètement largué. Mais ce n'est pas la meilleure fin possible. C'est le jeu par lequel il y aura beaucoup plus de gens qui run Momo Hime que Kisuke. Aucune idée, Senen. Ça, je ne savais pas du tout. Ça, je ne sais pas du tout. Parce que c'est la classe, je ne sais pas. Parce que c'est toujours mieux de taper tout le monde avec une princesse, ce que je suppose. Oui, Shikrut, ce boss vient du bouddhisme, il me semble également. De bonne mémoire, c'est la fin où elle devient pieuse, donc elle refuse son mariage. J'ai pas vu la moindre run de Kisuke, c'est peut-être plus rapide ou je ne sais pas. Il me semblait que c'était plus facile avec Kisuke justement, mais bon. Momohime no kokoti yoki koane de hibiku namu amidabutsu no shoumyou ya hatashite jigoku no jinkurou no mimi ni todokimashou ka. 罰当たりの過ぎる男ゆえ
照明エコーも甲斐なく見事地獄の鬼を出し抜いて浮世に化けて出るとも不思議ではありません。さて怪力乱心を語るべからずとは先人の禁言されば諸人の安寧願いお冒険百鬼夜行大略を便じましてこれにてご免許を無理ます。En plein live, c'est toujours. Hop, un speedrun de Soul River. J'en ai vu du speedrun de Soul River Fundo. C'était qui avait fait ça? Bouladjin? Oh, je sais plus du tout. C'est une type qui revenait du RPG, il me semble, de base. Mais ouais. Muramasa. Vraiment. Très, 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 très bon jeu. Tu montreras le tasse de Puka ce soir, Snell? Eh bien oui, et c'est le prochain tasse qu'on regarde, Snell, exactement. Oui, on va voir un tasse d'un jeu Puka. Puka et Garou, oui, oui. Puka qui poursuit Garou. Enfin, c'est bien Garou, le... Oui, mais son crush à Puka. Et oui, ça va être le prochain tasse qu'on va regarder ce soir. Bon, encore une fois, hein, jouez-y à ce jeu. Muramasa, vraiment très très bon. Je ne saurais vous le conseiller assez. Puka c'est coréen, ouais, voilà. Oh, dommage, Erwan. Bah, de toute façon, il est déjà passé en speed game celui-là. Hein. C'est pas non plus. C'est pour ça que je l'avais mis en premier. Tout le monde l'a déjà vu, comme dirait l'autre. Alors, je sais pas si vous regardez, si vous remarquez en fait, quand je fais une émission, en général, je laisse ou je coupe les crédits selon la longueur des tasses. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai 3 heures et que c'était pas du tout prévu à la base. Du coup, j'ai rajouté des tasses pour que ça dure plus longtemps. Sauf que je sais même pas, ça fera 3 heures, donc c'est pas grave, on va faire durer donc le plus longtemps possible les crédits. Je sais jamais entre Puka et Lokiti, ce qui me semblait. Lokiti par contre il me semble que c'est japonais. Salut Biff. Tu arrives à la fin du tasse de Muramasa, mais bon, celui-là. Il est déjà passé en speed game, tout le monde l'a déjà vu, tout ça, tout ça, tout ça. Et bon, c'est un classique. Maintenant on va s'attaquer à du chiant. Ça va être drôle. Par contre, la carotte. Juste après, il y a un truc très rigolo. Pas aussi rigolo que le tout dernier que je montrerai, qui est vraiment plus what the fuck, mais quand même. Parce qu'il y a deux tasses vraiment blagues ce soir. Pas sûr que ça dure jusqu'à quelle heure ce soir. 22h, mais normalement si, je devrais tenir jusqu'à 22h. Au pire, je vous parlerai de trucs déprimants, ce sera pas grave. Sound producer Hitoshi Sakimoto, bien sûr. Est-ce que c'est les mêmes Sakimoto et Iwata qui avaient fait la BO de FF Tactics par hasard? Il me semble que c'était ça leur nom aussi. Hein. Alors Sundu, c'est quoi un TAS? C'est un Tool Assisted Speedrun, autrement dit, un speedrun joué par un émulateur avec, en se basant sur un fichier d'input. Ton émulateur qui fait et qui joue le jeu, et en fait il a chacune des touches qu'il doit presser à chacune des images, donc 60 images par seconde du jeu, pour lui dire de faire telle action et telle action et telle action pour accomplir une partie parfaite ou impressionnante ou artistique ou juste cool. Et bonsoir Anne. Faut que je pense à arriver en avant, je suis quand même en retard. C'est pas grave, ce tasse là il était déjà passé dans le speed game, donc il est possible que tu l'aies déjà vu. Hitoshi Sakimoto et Masaru Iwata. Ouais, bah c'est bien ça. Merci à Biff, c'est ce qui me semblait. Les gens qui run Titan Soul, je n'en ai pas vu, mais ça peut, c'est possible. J'en ai entendu parler, ça l'a dit récemment. C'est pas. Il n'y a pas quelqu'un qui s'était lancé justement dans Titan Soul, il y avait tout le monde qui le hostait là récemment. Genre ce week-end, je me souviens plus. J'ai pu me tromper.
Et ouais, décidément, graphiquement, ce jeu, hein, bah, c'est une baffe. Il n'y a pas à dire, la 2D, c'est la vie. Mon cher Kim, c'est baroque. D'accord. Mais voilà. Alors il est possible qu'à l'avenir aussi l'émission soit entre guillemets l'émission de clôture et donc que je dépasse. Ce qui m'arrangerait en fait, parce que ça permettrait de monter les tasses plus longues de 2 heures. Parce que tout comprimer dans une tranche de 2 heures ou même de 3 heures pile, c'est vraiment toujours très galère pour faire de l'émission. Mais par contre, si je peux dépasser plus de 2 heures, là j'ai plein d'idées de trucs qu'on pourrait montrer. Notamment un TAS que ça fait, je veux absolument le montrer, mais il dure 2h05. Et généralement, il me faut 1h40 d'émission pour une émission de 2h. Bref, on verra bien. Ça va dépendre un peu du changement de la grille. Et voilà. Et bien, c'était la fin de Muramasa. Ce qui fait qu'on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, comme on disait, hop là, hop là, hop là, où est-ce que tu es? Et bien, c'est Puka's Kisses Games sur Wii, un jeu WiiWare. Également fait par Rachel B. Ah mince, j'ai pas le bon VLC qui est mis. Hop là, faut que je mette le VLC. Voilà, en 16.9. Et c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un jeu WiiWare. J'ai pas si y a grand chose d'autre à dire. C'est un jeu où on fait des bisous. Y a rien besoin de plus à savoir. Et donc c'est le tas de la kawaii attitude, exactement comme tu dis, Koala. Donc vous allez très vite comprendre le principe, hein. C'est à la Wiimote. On poursuit son copain. Enfin son crush plutôt. Et faut esquiver des trucs, faut appuyer au bon moment, enfin voilà, c'est un jeu WiiWare, vous attendez à quoi? Tasui, c'est récent. Oui, c'est bah, les seuls un peu, les seuls Tasui en fait un peu disponibles, y a pas des masses. C'est un jeu au tabou. Voilà, salut, avec vous, salut, 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 Nightmare Buster, un jeu français du coup. Oh, intéressant. Merci Yoshikru pour les détails. Et ce qui est assez rigolo en fait, c'est de voir que il y a 4 trick frames perfect qui sont faits dans ce jeu. Et en fait, tu peux que les faire frame perfect. Bon voilà, vous avez compris un peu la l'abus du TAS. On est censé attraper le truc, faire un mouvement vers la droite, mais bon, comme dans le TAS, c'est une frame c'est, une frame c'est à gauche, on appuie, une frame c'est à droite, et on est directement au bon endroit, donc on traverse tout à toute vitesse. Ah bordel, mon téléphone qui doit bipper. Hop, on va virer. Voilà, extrêmement. Voilà, pareil, on manipule Puka pour atteindre la fin du labyrinthe. Alors pourquoi ce TAS? Ben, c'est un des jeux préférés de la conceptrice du TAS, de Rachel. Donc ce TAS. Ah, salut Ryudo. Et donc si vous posez la question, oui, ça va être comme ça pendant 46 minutes. Vous avez dit qu'on allait se faire chier. Donc ici, rien de particulier. Bien sûr. En fait, voilà, on a un bouton pour faire pause. Il faut attendre le bon moment pour passer. Évidemment, c'est quelque chose qui va être joyeusement abusé, voilà. Parce que c'est plus drôle de faire comme ça. On récupère un sabre, on peut couper les bambous qui nous bloquent le passage. Évidemment, on s'amuse à le faire le plus tard possible, sinon c'est pas drôle. Il y aurait un restream à faire du marathon après Jimmy Break, c'est une grande bonne question, j'ai demandé, on ne sait pas du tout.
Et oui, Sanane, je pense qu'elle aimait beaucoup ce jeu pour en faire un test de 46 minutes. Mais elle a beaucoup insisté sur la soumission du TAS en expliquant que c'était un jeu important parce qu'il y a des bisous. Un jeu avec des bisous. Je vais pas faire la menaçante, quoi. Rien de particulier, il y avait quand même un mec qui se prenait un éclair sur une montagne au fond. Vendu combien de jeux pour une heure de jeu? Je ne sais pas, pas beaucoup. Voilà, des mouvements droite-gauche pour accélérer. Ce mignon! Ce mignon! Avec un tas, on peut faire du jeu n'importe quoi. Exactement, les Beaver. Et justement, il y en a quand même un tout petit peu. Bon, pas beaucoup, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actions tout court. Mais effectivement, il y a quelques actions qui sont faites de manière assez drôle, justement. Comme on a en tas. Oui, Sundu, hein, c'est pas un jeu très difficile hein, non plus. Là, encore une fois, la pause. Pour éviter la foudre. D'un côté, droite-gauche pour accélérer, de l'autre, la pause pour s'arrêter et éviter la foudre. La grande classe, la pause en plein milieu du saut, en plein vol, c'est beau. Mon dieu, je suis poursuivi. Et ouais, Pouka, licence coréenne. Alors, sachez-le, hein, le dessinateur Boulay est un grand fan de Pouka. T'es heureux de l'apprendre, je sais. Il veut un dessin animé. Ouais, il me semble qu'il veut un dessin animé, effectivement. Bonsoir, Winnie Pooh. Tu arrives en plein milieu, plein début du tas chiant, c'est génial. Très bon timing. En mon tas, tu verras de combien? Je pense que personne ne l'a jamais speedrun ce jeu. Je ne sais pas si quelqu'un a speedrun un jeu pareil. Voilà, Yoshi, tu devrais être content quand même, hein. Je t'offre enfin du garou. Bon, c'est peut-être pas le garou que tu voulais, mais il y a quand même du garou dans ce jeu, hein, que je sache. Donc là, on a droit à plusieurs outils. Le shuriken, le sabre, selon les différents choix. Et la pause, bien sûr. Donc là, toujours attendre le tout dernier moment pour lancer le shuriken dans la cible. Il s'est fait eu. Après, la situation inversée ferait un peu pépé le putois et bon, c'est un peu. Je vais acheter une boîte antidépresseur offerte. Ce serait un peu glauque dans l'autre sens, hein. Un peu voilà, la chanson Fadel comment c'est. On récupère encore les armes qu'on avait avant. Et ça kill du ninja, y'a pas de problème. Quelle violence, un jeu pareil. Monsieur Christophe Garou a bossé sur ce jeu. Il me semble qu'il y a un générique, effectivement. Le bot du chat, il est un peu plus cool, non. Non, Anne, je suis désolé.
Non, c'est ça qui a fait le jeu Franklin et foot de rue sur DS. Waouh, Yoshi Cruz, punaise. Salut Ardaz, merci de passer. Les PNJ qui pop, faut trouver Garou et clique dessus, bien sûr. Comme on est en tasse, c'est fait bien sûr instantanément. Le clic est fait avant même qu'on voit. Voilà, Garou vient d'apparaître. Elle est peut-être un peu moins nasty que ça, Anne, effectivement, mais en tout cas, tout ce qui est lien, etc., c'est clic directement. Bah t'arrives au bon moment Nordaz, hein, c'est le tas chiant. Du coup, est-ce que quelqu'un a répondu à... Oui. Les organisations à la dernière minute, c'est toujours bien. Hop là. Où est Charlie, je veux dire, où est Garou, mais pas nous. Quelle violence, ah, vraiment. Quelle violence. Vraiment déçu hein, par ce jeu qui jusque là ça était enfantin et tout et puis on massacre du Godzilla. C'est aussi dans cette société que travaille Philippe Desoli, le graphiste de Mr. Nuts, waouh. Et de la version Amiga Atari ST The Toki, qui est opposé sur le remake de Toki. On arrête d'attendre, oui, putain, ça. Merci pour les précisions, Yoshi Cruz. Je suis impressionné. On augmente un petit peu comme la difficulté à l'épisode 2. Jusque là le croco ça va encore, vous voyez, je vais te faire de la pause. Mais vous allez voir. Il n'y a pas que des crocos à passer comme ça. Gros enchaînement de sauts là. J'ai pas peur si Picard réussit enfin à pécho. Bah oui, elle fait des bisous, c'est mignon. Beaucoup les avancées frame par frame. Petit perso. Il a gardé. Non, c'est pas là. C'est plus loin. Je dis n'importe quoi. L'émission a commencé plus tôt, le petit poulet, à 19h. Tu as raté le tasse de Muramasa. Et maintenant, voici celui de Puka. Voilà, le kill de ninja avant même qu'il pop, hein, y a pas de problème. Grave.
On ne sait pas encore, Anne. Pour l'instant, c'est exceptionnel, mais on va bien voir parce qu'il faut changer la grille et que là, en fait, on a changé le planning hier à minuit. Donc, c'est un peu, voilà, pas organisé du tout. C'est sans doute nettement plus intéressant comme ramassage. Le gros argument marketing de la Wii n'est point noté. Effectivement, évidemment, je veux dire, qui veut d'un jeu de Wii comme Moramaza alors que tu peux avoir un jeu de coréen comme Puka, quoi. On n'a pas le chronomètre fiché, on a encore beaucoup de besoin de devant tant de gentillesse et de bisous. Oui, plus d'une demi-heure. Ouais, en fait, avec le passage Twitch, il y a beaucoup de changements de planning sur la TV2, et puis comme il y a une création de la chaîne Pokémon, du coup, Phil Drone, par exemple, passe sur la TV Pokémon, du coup, il y avait un trou aujourd'hui. Donc on s'est un peu organisé à la dernière minute, moi j'ai changé ce que je devais montrer. Parce que normalement, je devais vous montrer juste mon Ramaza et ce jeu, en écourtant ce jeu. Parce que bon, faut dire que c'est quand même un peu chiant. Mais du coup, ben, je le mets complètement, et j'ai prévu d'autres jeux derrière, en plus, pour finir la soirée. En fait, Garou doit être allergique aux bisons. Mais du coup, ça me permet de montrer un tas que j'avais pas revu depuis une petite éternité. Qui est absolument merveilleux, donc je suis assez ravi que l'émission dure 3 heures juste pour pouvoir montrer ce tas, qui sera le dernier ce soir d'ailleurs. Pour toute question sur la grille, adressez-vous à MV, voilà. Il a pas déjà assez de taf et de bordel à faire comme ça en ce moment, effectivement. Il sera ravi de vous répondre. Ou envoyez un MP Twitch à Trunks aussi, voilà. Faites-les bien chier. Et là, hop là, le clip à travers le crocodile, y a pas de problème. Ça c'est Tasson Lee. Et oui, intrigue Tasson Lee dans un jeu WiiWare sur Puka. Voilà ce qu'il est advenu de ce monde et de la communauté TAS. Encore une fois, hein, je sais pas si vous vous rendez compte un peu du boulot qu'il a fallu pour implémenter la prise en charge de la Wiimote sur Dolphin. Et c'est Rachel qui l'a fait. En tout cas, qui a amélioré ce qui avait déjà été fait de base. Pareil pour les outils TAS. C'est elle qui les a améliorés. Pour qu'on puisse plus faire, enfin, plus facilement faire du TAS que ce qui était prévu à la base, qui était un peu pourri. Celui-là, c'est comme Gumball et Gwedon avec des bisons en plus. En Corée et plutôt qu'au Japon également. Mais oui. Et maintenant, on doit, voilà, renvoyer les shurikens. C'est une vraie ninja, hein, Puka. Faut pas la faire chier, en fait. Merdez, je sais pas si je peux... Est-ce que ça marche de faire un halo? Tiens, on va voir. Sinon, pire, je te mode, j'en ai rien à faire. Voilà. Tiens, d'ailleurs. Alors, j'en ai rien à faire. Plus simple. D'ailleurs, il y avait vraiment personne qui voulait s'occuper dessus. C'est la seule qui a voulu s'occuper de ça. Exactement, le grand grand. En même temps, c'est un jeu qu'elle adore, donc... Donc voilà, là... on récupère des morceaux de scooter. Oui. Et oui, on récupère des morceaux de scooter. Qui marche hein, directement, on met des bouts ensemble, ça fonctionne, c'est quand même merveilleux. Bah justement du Tasui dans la Speed Game, oui, celui de Gotan sur New Super Mario Bros. Wii. Reconstruire un pont. Vite, un puzzle. Donc on peut pas tourner les pièces, on peut pas faire des trucs aussi impressionnants que ce que faisait Killai dans le Tasse de Braid, mais quand même c'est cool. Mmh.
Ah. Ouais, Gotham, il est super impressionnant, vraiment, punaise. Vraiment très, 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 très fort. Il fait The Puzzle, mais en face du tas de bruit, je suis bien d'accord. Il y en a une qui est tellement impressionnante où il pose les pièces un peu partout, c'est pas trop pourquoi, et puis il tourne juste sans bouger, et ça associe les pièces au bon endroit. C'est génial, punaise, d'avoir pensé. Ça, c'est vraiment une idée géniale, quoi, d'y avoir pensé. J'espère que vous ne vous laissez pas de la mignonitude des bisous des singes. Pas de problème. C'est pour Puzzle du monde 2 qui fait ça. Ouais, c'est... C'est tellement balèze. Donc après avoir défoncé des ninjas, renvoyé des shurikens à coups de katana, maintenant elle grimpe sur les crocodiles. Non mais aucun problème, hein, en tout cas. Moi je la fais pas chier, hein. Je m'emmerde pas. T'as vu quelque chose, elle le veut en plus, hein. Esquive. Plein d'araignées. Il va falloir aller assez vite pour ne pas se faire toucher. Ce jeu a un effet hypnotique. Oui, c'est un peu ça. Mario ne sait pas être rouge. Ah ça, attends. Spécial tasse des jeux de runner Pepsi. Y a pas de... Je crois, pense pas que c'est Pepsi Man, malheureusement. Peut-être sur Nico Nico, cela dit, hein. C'est possible. Mais, toujours. Voilà, les mouvements à la Wiimote, y a pas de problème. Les mouvements frame perfect, hein, parce que c'est important dans ce jeu. Un tas sur Trios of Punch. Il n'y a pas beaucoup de tas PC Engine, malheureusement. Ça manque d'ailleurs. Génial, Trios of Punch. Tellement drôle ce jeu. Si, un tas de Pepsi Man. D'accord. 100%. Ah bah tiens. J'y jetterai un œil alors. Merci, Yoshikote. Toujours les labyrinthes, hein. Pas de mystère. On appuie sur le bouton, on repart en arrière. J'aime bien la variété. Peut-être qu'elle en avait marre déjà. Des moments absurdes. Hé, hey, dépêche-toi! Close the Punch, c'est un jeu d'arcade. D'accord, il me semblait. Il me semblait qu'il était, c'était un jeu PC Engine. Autant pour moi. C'est Zaki qui le run. Close the Punch, pas qu'il avait run du jeu moi d'un gage des cures. Hop là. C'est celui qui était joué à un défi du challenge, c'est un petit truc.
Je me souviens pas, tiens. Je crois qu'il était passé à la JDQ très open. Ouais, c'est ça, ouais, c'était Zaki qui l'a joué, je me souviens. Et ouais, très cool. Donc, bizarrement, ce tas, il a pas. Enfin, les foules se sont pas. Enfin, tout le monde n'a pas voté oui sur ce tas, bizarrement. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Les gens étaient un peu plus. Avaient un peu de recul vis-à-vis de ce tas. Ils disaient, ouais, je sais pas. Heureusement, Rachel a tapé du poing en disant, il y a des bisous. Ce jeu est. This game is a masterpiece, comme elle disait. Et grâce à ça, heureusement, le jeu a été publié. En fait, il est publié dans le vote, hein, quand même. Faut pas déconner. Ça y est, maintenant j'ai la musique en tête, quoi. Mais c'est mignon en même temps, moi ça j'aime bien les jeux mignons, ça fait du bien, ça change un peu. Donc voilà, je pense que c'était nécessaire quand même de vous montrer Stas. Donc là voilà, les clips à travers les crocodiles, y a pas de problème. Alligator, crocodile, je ne sais pas, en fait, ça ferait la différence pour moi. Bon, comme d'hab, les ninjas qui meurent avant même de pop à l'écran. Aucun souci. Il dit que la tête fait 3 mois à venir. Ça va pas ça les chiffres, toi. Demain, je vais aller bosser. Si proche du but. Si proche. On a des ninjas avec un tank derrière. Aucun problème. Une race sur Pocas qui se gagne. Quand soudain, boss fight. Je suis désolé, Anne. Tu vas avoir cette musique dans la tête pendant toute ta réunion. Et quand même, faut bien enchaîner les différents objets selon les situations. Faut lui casser la gueule, tout en avançant à la bonne vitesse et en lui balançant. En évitant les flammes, en évitant les shurikens. De très belles évolutions. Un tank en bois, oui. Il y a encore 3 jeux, hein, Anne, ne t'en fais pas. Le prochain tas sera idiot et rapide et rigolo. Après, il y a un autre tas chiant mais qui est pas long. Et après, du coup, ce sera le truc le plus drôle. C'est un tank monté sur un scooter, c'est vrai, ouais. Respectez, hein, les tanks en bois montés sur des scooters. Il y avait des ninjas dedans. Où il fait évoquer une boucle comme ça, un type qui devient dingue de toute cette manière. Ah, je connais pas ça, Noirdez. Mais ça m'intéresse. Heureusement, c'était juste la musique de l'épisode 2. Hein. On en change. Quand soudain, des ptérodactyles. Il déconne vraiment pas hein, dans le monde de Pouka. Toujours, voilà. Kill the ninja. Vous pouvez voir la main tout en bas à droite, hein, parfois.
éclatante, le fait de faire fuir les nuages. Run. A toutes, Yoshi. Et merci pour toutes les précisions, c'est vraiment très cool. Regardez l'élégance en dessous. Mais oui, c'est classe. Quand même plus confortable sur Twitch, je suis bien d'accord. Super énigme de puzzle digne de paquets de céréales. Comme disait Biff, hein, on a perdu le CPM, mais on a gagné le Kappa et le Francazi. C'est un peu ça, mais un peu différent quand même. C'est plus que ça, heureusement. Je me demande bien ce que tu regarderais sur Gaming Live, du coup, Nortes. je te raconterai un truc tout à l'heure, mais ouais. Ça ne fera rien. Hop, que je remette ça bien. Pas encore à l'aise au niveau de mon habillage et des fenêtres à avoir, etc. Mais on s'en sort. Les difficultés, il y a deux interrupteurs. Oui, oh là là, punaise, c'est la folie quoi. Oui, c'est vraiment un ninja garou. Il faut trouver le bon en fait, hein, bien sûr. Évidemment, ça va toujours du premier coup. Fou, hein, l'état, ça se court jamais, quoi. Ah. Ah. Game of Thrones, ouais. Ah. Et bien, le piège de la porte qui se ferme alors que tu peux passer à côté, mais bon. Ça ne t'a rien apporté. Effectivement. Oui, c'est le pouvoir des bisous, quoi. La toute puissance de ce jeu. Encore une musique qui va rester en tête, ça va prix. Je me demande bien ce qu'il va falloir faire avec tout ça. Oh, il y a un petit cœur sur le Delta Plane, c'est mignon. Il y a des petits cœurs, même. Bah, ça me paraît pas du tout dangereux. Hein. Faites ça chez vous, les enfants. Il n'y a pas de problème. L'effet sombre de la grotte est saisissant, vraiment. Waouh, j'ai pas vu ça depuis Zelda 2. Pas vrai, en plus Zelda 2 c'est mieux de palette. Mieux fait que ça.
Ouais, quand même, hein. C'est hypnotique en fait ce jeu, je suis en train complètement de hypnotiser par ce qui se passe. C'est merveilleux. Enfin, retour de la lumière, on va choper un nouvel objet. Un mouchoir pour nettoyer l'épée. La vampire fusion qui fait pas de lumière. Effectivement, le petit poulet. Mais c'est hypnotisant, ce jeu, quoi. Volcan pour l'outil d'armure. Alcane, voyons. Ouais, là, c'est vénère, hein. Il se passe plein de trucs. Hein. Je veux dire, tu chevauches un ptérodactyle en te faisant attaquer par des ninjas. Je veux dire, t'as pas beaucoup de jeux où il peut arriver ça, hein. Je suis désolé. Faut pas mépriser hein, les jeux de ce genre. Ben non. Ça va, c'est le coup du volcan, bah oui. C'est sûr. Faut trouver où il est, bien sûr, dans le noir, mais bon. C'est pas difficile quand tu sais où il va pop. Et maintenant, Gradius. Ça va finir avec un boss tentaculaire, style cerveau. Vous allez voir. Et bim! Des bisous! Je peux juste me tourner. C'est plus simple pour se garer en ville. D'accord, ça ne m'étonne pas. Ils font des choses bizarres à ranger alors. Les angevins sont des gens bizarres. Les scooters, ça va très bien ensemble. Vous avez jamais lu Cadillac et Dinosaure? Non, mais vraiment, faut tout vous apprendre. Comme d'hab, les mouvements à la Wiimote, c'est du grand n'importe quoi. Le sprint pour courir plus vite que le shuriken, oui, aucun problème. Ah non, elle est vraiment sur vénère, en tout cas. Moi, je m'emmerde pas. Quoi, je rappelle initialement ce tas, je devais l'écourter. Hein. Je n'avais pas tout le monde. Mais bon, comme l'émission fait 3 heures, on a droit à la totale. Bon, je sais ce que, voilà, ce que ça va être, bien sûr. L'avantage, c'est que comme le mouvement il se fait en une seule frame, il n'y a pas de moment où ton curseur se retrouve en plein milieu des adversaires. C'est comme ça qu'on a clip à travers les crocos tout à l'heure. C'est exactement le même principe qu'un BLG de Mario 64, en fait. Juste que le jeu ne te voit jamais contre un mur ou contre un obstacle, du coup tu ne le traverses jamais. Enfin, tu ne le frappes jamais, quoi. La grande question, y a-t-il des os? J'en doute, malheureusement. Elle sprint alors qu'elle a une épée pour envoyer les shurikens. Y'a que moi qui cherche encore une magie dans le jeu. Faut pas en chercher. Est-ce
Est-ce qu'on peut faire des super gems dans ce jeu, voilà. Est-ce qu'on va créer 28 catégories Legacy pour cent, hein, bien sûr. Tout finir en drame, tribunal pour incitation sexuelle dans le dernier épisode. Ça se tient, ça, par contre. Ne faites pas ça chez vous, les enfants, bien sûr. Ouah, gros puzzle. 18 pièces. Non, 36 pièces. 6 x 6. Mène une vie dangereuse hein, quand même, hein. Je veux dire, y a des mines. Par contre, elle en a rien à faire, hein. Je veux dire, se balade entre les mines, pas de problème. Même pas de récupération de katana pour entre les mines. Je veux dire, à qui ça sert quoi, vraiment. Pareil pour envoyer les nunchaku, les shurikens. Quelle descente! Oh mon dieu, mais où est-il caché? On marquera quand même que son copain a des couettes, et ça c'est la classe. Envoyer des nunchaku, c'est comme ça. Oui, ça va faire mal de se prendre un nunchaku dans la gueule quand même. Juste un tout petit peu. Fini. Faut encore le tacler et le couvrir de bisous. Mais c'est pas une fille l'autre perso, je ne crois pas, Bastafix. Garou, il me semble que c'est un mec. Je suis pas une experte en Poucar, hein, mais. Mais il me semble que c'est là et. Est très hétérocentré, n'est-ce pas? Comme dirait l'autre. Vraiment interminable. Pikachu, merci Anna de nous rendre le peu de santé mentale qui nous reste. Je suis bien d'accord, Bastafix, un peu importe tant qu'il y a des bisous. Exactement. C'est peut-être une butch, Garou. On va dire que c'est une butch, je suis d'accord. Donc on joue Puka qui harcèle sa copine butch. Ça me va très bien, Koala. J'approuve totalement ce concept-là pour ce jeu. Ouah, le kill de ninja en même temps que le saut, c'est la grande classe. Ok, là c'est vraiment... on est dans les hautes sphères du super play. Avec la course devant le shuriken, pile comme il faut. Heureusement, ce n'est pas répétitif et la musique n'est pas une simple boucle infinie. Exactement, Vescaoc. Ce niveau, il y avait le Père Noël. Waouh. On va encore retrouver l'espèce de dirigeable bizarre qu'on avait juste avant. La re-récupération du deltaplane. Il tombe un peu. Effectivement.
promis, il y a deux tasses encore ce soir qui valent vraiment le coup, hein, comparé sans. Mais je me devais de montrer ce jeu, c'est un peu une obligation, quoi. Et ouais, hein, vraiment les labyrinthes niveau paquet de céréales, quoi. Et voilà, il n'y a pas que des tasses de... C'est aussi quand même impressionnant, intéressant vraiment pour ça, c'est... On va parler un peu des tasses de jeux beaucoup moins populaires. Qui ont au moins un petit peu un intérêt technique, parce que bon, celui-ci a quand même au moins l'intérêt voilà, de faire des trucs rigolos avec une Wiimote. C'est déjà ça, même si bon voilà, t'as 5% d'action pour 95% de remplissage. C'est ça, de ne pas être secondaire quand je dis que ce jeu est sympa. Bah ouais, c'est mignon comme jeu. Voilà, on est arrivé à Gradius en fait. Hein. Ah, salut Grazo. Oui, c'était pas dur à deviner, hein, Grazo, si on le connaît un peu. Hein. Même si on a su un peu en actualité. Ouais. Les spectateurs, 90% c'est en mort cérébrale. Un peu comme sur la TV, hein. C'est ça. Bah, le gameplay du jeu est pas mal dans le sens où ça fait quand même une utilisation correcte de la Wiimote pour un jeu pareil. C'est pas non plus excessif, voilà quoi. C'est mignon, c'est cool, c'est pas non plus complètement con-con au niveau des actions, à part les labyrinthes qui sont vraiment super faciles. Mais sinon c'est cool quoi. Quand même des actions qui vont te demander un petit peu de réflexion, de te dire attends je fais pause là parce qu'il faut que je fasse ça puis ça. Ça va quoi. Un jeu pour enfants quoi. Bon, j'ai quand même une bonne nouvelle, hein. C'est la fin du TAS. Hein. Et voilà, c'était le dernier niveau. Ah, bonsoir Kilaï. T'arrives au moment, tu as évité le TAS chiant. Et tu vas te taper la pub par contre. Mauvais timing. Et voilà, bah c'était le TAS de Puka's Kisses Game sur Wii. Enfin, sur WiiWare, même précisément. Bah, grâce à toi, quand tu considères que c'est Rachel qui a implémenté, on va dire, toutes les améliorations pour la prise en charge de la Wiimote, je me dis que ça devait être pour ça. Ça devait être une des raisons aussi pour lesquelles elle avait fait ce TAS, quoi. De Lost Wind, je n'en ai jamais vu à Bastefix. Ouais, Philippe Dessolier, ouais, donc Yoshi Croot, si tu nous entends, effectivement, tu avais raison. C'est marrant. Avec son frère Raphaël Dessolier au son. Il y a eu le tas de Muramasa avant, quoi. Ah bah ils sont déchirés pour la fin, hein, le petit poulet. C'est la récompense de faire ce jeu. Mais ouais, c'est marrant de finir sur des noms français, quand même. Sur un jeu d'une licence coréenne. Exactement, Grinson. Hein. Muramasa était plus facile même à faire, on va dire, parce qu'il n'y avait pas la gestion de la Wiimote.
Bon, du coup, on va pouvoir se relancer une page de pub et enfin attaquer des tasses intéressantes. Promis. Vers le prochain, c'est un peu une blague, mais c'est rigolo. Donc on se retrouve tout de suite après la pub. Et on est revenu. Normalement, les pubs sont terminées. Oui, largement. Pas de problème. Oui, la musique que je passe, ça vient d'un CD Overclocked Remix qui s'appelle Chrono Symphonique, qui met 25 remix différents de musique de Chrono Trigger, parce que je trouvais que c'était sympa, bonne ambiance, tout ça. Dont un remix de MV, voilà, qui s'appelle Darkest Omen.
Première chose que j'ai entendu de lui d'ailleurs. Bref, on va continuer ce soir et on va passer au TAS de Spider-Man 2 sur GameCube. C'est un TAS que vous ne trouverez pas facilement sur TAS vidéo, même s'il y est. En 30 secondes. Voilà. Et nous sommes sur GameCube, oui. Alors qu'est-ce qui se passe? On commence le jeu. C'est un peu une blague, bien sûr, cette tasse. Évidemment, vous vous en doutez. J'entends un peu le volume. Parce qu'on n'entend rien, voilà. Well, sequel time already, huh? Voilà, on a le tuto, etc. On skip. Alors attention, ça va aller très vite. Il y a un point blanc sur la minimap. Et 24 frames avant qu'il ne disparaisse. Just go to the pause menu and bring up the save load screen. Easy, right? Well, then do it. Attends, 1 minute 03, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Voilà, on ouvre un menu, on rentre un mot de passe à un moment bien précis, et on a les crédits, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un peu n'importe quoi, évidemment. Là, je vais passer. En fait, le mot de passe qu'on a mis, HC Ryert, normalement ça te met au chapitre 16 avec tous les upgrades, plein de points, etc. machin, mais en fait si on le rentre à une frame bien précise, c'est-à-dire 24 frames avant la disparition du point blanc de la minimap, ben, ça amène au crédit. C'est Jilune qui a trouvé ce glitch là. Donc ben, c'est rigolo, parce que voilà, c'est rigolo. Donc c'est un task qui a été refusé, sans grande surprise. Utilisation de mot de passe, voilà, ça complète aucun des objectifs du jeu, enfin voilà, donc bon. C'est un grand classique dans les tasses de faire des trucs comme ça, c'est rigolo. Celui-ci, il n'a pas été sorti un 1er avril, c'est d'habitude, c'est les tasses du 1er avril qui font des trucs comme ça. Mais un peu après, mais voilà, donc on a vu le tas de Spider-Man 2 sur GameCube. C'était très intéressant. J'aime beaucoup, 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 beaucoup les tasses complètement débiles, quoi. En fait, c'est normal, il y a un fantôme. Hein. Oublie pas le. J'avais montré le tas de. Diddy Kong Racing avec le New Game. Glitched New Game qui avait été refusé également. J'espère que ça va pas faire chier les droits avec cette musique. Sans doute, je vais baisser le volume et au plus bas, histoire que ça fasse pas chier. On a vu un test d'une page de pub. Je peux pas scanner avec le nouveau player de pub, c'est un peu compliqué pour faire des pubs. Bref, c'est pas très grave. Voilà, donc c'était le test de Spider-Man 2 sur GameCube. J'espère que ça vous a plu. J'adore les tests du genre. Le temps de revenir et c'était fini. Ouais, bah voilà, bah c'est fin du tuto. Tu rentres un password parce que tu peux rentrer des passwords. Et en faisant une frame bien précise, ça te déclenche les crédits. Parce que. Alors, c'est pas dit que Jilune 2 soit bien celui qui a trouvé le glitch, mais en tout cas, c'est lui qui en a le premier parlé et puis qui avait un peu enquêté dessus. Et du coup, Rachel a juste mis en place ce glitch-là dans un TAS pour donner ben ceci. C'est voilà, c'est assez intriguant mais assez rigolo. Comme d'habitude, comme j'ai plus que deux tasses derrière ça et que les deux sont courts, je vais laisser tous les crédits. Ce qui est bien par rapport à Puka, c'est que la musique n'a pas le temps de rentrer dans la tête. Oui, c'est déjà ça, le petit poulet, oui. Alors Star Stamp s'est dit, ouais, Erwan, les crédits sont plus longs que le jeu. C'est également le cas dans un tas entre guillemets tout à fait normal, c'est celui de Golden Axe sur Mega Drive. Avec les crédits, enfin le jeu qui dure 7 minutes et les crédits qui durent 7 minutes 30, un truc comme ça. Bref, voilà, donc c'était le TAS de Spider-Man. Je peux même vous remettre à la partie active, donc il y a une minute de jeu qui se passe, histoire pour moi que pour ceux qui l'auraient raté, qu'on voit ce qui se passe. On commence une partie, le chargement qui prend la moitié du TAS. Voilà, tutoriel. On skip le tutoriel rapidement. Well, sequel time already, huh? Welcome back, I guess.
Il y a le chargement du niveau. Le premier niveau qui est le stage 3 en fait. On attend que l'intro ça passe, voilà. On attend une frame bien précise. Et hop, on ouvre le menu, on rentre le bon mot de passe. Et ça fait les crédits, voilà. Bon, bah on va passer à la suite. On va retourner à un tas fiant, parce que je vous adore. Ça va être le tas de The Emperor's New Groove. Oui. Sur Game Boy Color. Est-ce que ça sera un peu la défaite? Alors j'hésite à vous mettre le volume à fond, parce que le volume est très fort sur ce tas, je sais pas pourquoi. Hop là. Donc The Emperor's New Groove, si vous ne connaissez pas, ça s'appelle Kuzco, l'Empereur Mégalo. C'est un dessin animé de Disney sorti en 2000. Et donc c'est l'adaptation sur GBC. Et c'est un des tout premiers tasses de Rachel sur tasse vidéo. Qui a été d'ailleurs à l'époque refusé parce que bon bah c'est chiant. C'est juste chiant comme jeu. Oui non c'est bon. Voilà, la musique. Oui, alors ça le mettait Played by Rogue, en fait c'est l'ancien pseudo de Rachel, comme Reyes pour moi, ouais, c'est pareil. Et voilà. C'est un peu une purée vomitée, mais c'est surtout au niveau du son, je comprends pas comment ils ont réussi à faire un truc aussi pourri, mais bon, faut pas chercher à comprendre. Les adaptations de Disney sur console, c'est pas toujours bien. Hein. La grande époque Capcom, c'était il y a longtemps. Tu as prévu le Work in Progress des Zelda? Pas le Work in Progress des Zelda qui l'aille. Un tas fini. Un tas, c'est 10% Zelda. Désolé, monsieur, vous avez pourri le groupe de l'empereur, exactement. Alors, je l'ai pas vu, moi, Kuzco. On m'en a dit du bien, cela dit. On m'a dit que les méchants étaient hilarants. Et que juste ça valait le coup. Et voilà, je suis content qu'on soit sur Twitch pour pouvoir voir le jeu bien comme il faut, avec la bonne taille. Pour pouvoir profiter de ça. D'ailleurs. Vérifier un truc, ouais, hop, hop, voilà, qui est mieux au niveau de l'affichage, je préfère. Je change quasiment rien, mais je préfère. Et tu vois, Noir, j'aurais même plus besoin de toi, quoi. C'est la que la musique de Pouka n'était pas si mal. Ouais. Alors, faut voir, en fait, sur cette vidéo, il y a plein de tasses comme ça de jeux pas connus ou qui étaient pas impressionnants, mais qui étaient en fait techniquement intéressants, parce que tu peux difficilement faire mieux, simplement, parce que c'est juste un tasse travaillé, qui avait été rejeté. Parce que ben voilà, ça plaisait à personne entre guillemets. Mais finalement qui ont été repêchés des années plus tard, parce que ben finalement c'est con de refuser des tasses comme ça juste parce que c'est sur des jeux pas populaires. Et oui, effectivement, c'est une idée complètement débile de refuser des tasses comme ça. C'est comme ça qu'a été créé justement le Vault comme catégorie, qui est en gros la catégorie voilà, de tous les tasses qu'on sait pas trop quoi en foutre. Je préfère Crystal Punitail. C'est aussi un grand jeu. Bonsoir, Megadrakaki Sreal, je vais y arriver. De toute façon, dessin animé, il y a Aladdin et puis ça. Ah, mais souvenez-vous d'Aladdin de la semaine dernière, hein. Super Aladdin sur NES, bien évidemment. Il n'était pas du tout une contrefaçon. Et ouais, on a trois musiques dans le jeu qui sont recyclées tous les... Voilà. Chaque niveau, ça boucle sur une des trois musiques. Heureusement, c'est court, hein. C'est 8 minutes de 22. Heureusement, d'ailleurs. Mais il y a quand même une surprise à la fin. Vous allez voir, il y a quand même quelque chose de assez merveilleux à la fin. Oh, t'es pas là la semaine dernière, ah, t'as raté une bonne une émission bien drôle. Aladdin NES, CNN justement. Mais ouais, elle est sur YouTube l'émission la semaine dernière. C'était des tasses très discutables. Je pense que la palme revient à celui de Titanic, surtout le Titanic et 10% en 48 frames. Il y a la fin, il fait des bisous, voilà, on a tout compris. Oh mon dieu, un boss fight. Les sprites de ce jeu, c'est... Ouais. Je sais que c'est de la Game Boy Color, mais bon... Je sais qu'on va être un peu indulgent. Il y a un Aladdin taïwanais sur NES, oui, Sedan, qui fait 4 niveaux. T'as les 3 premiers niveaux de la version Mega Drive, après t'as le niveau du tapis de la version Mega Drive, et ça fait fin. Qui s'appelle même pas Rugride, qui s'appelle Rugrid, d'ailleurs. Et oui, il y a un tas de 48 frames que j'ai montré. Le tas est 10% de Titanic. Pas Titanic, hein, Titanic. Mais tu verras, l'émission de la semaine dernière, c'était fandard.
Le prix cher Tarzan. Ah, c'est un mashup de dessins animés Disney, d'accord. Les dommages boost, bien sûr. Alors, c'est censé être un lama, donc c'est un lama, ça a pas de cornes. Je sais pas comment est-ce qu'il faut des coups de boule comme ça qui font chiquer les mecs. J'ai pas de verse cette semaine Mega Darzaki, c'était un peu exceptionnel, j'ai rarement en fait de l'alcool chez moi au final. Titanic, le jeu qui parle d'une magicienne qui met des coups de pied en volant pour un ouvrage Titanic, exactement les gars. C'est appréciable de rien comme jeu avec les crachoirs. Ouais, c'est nan, faut bien faire gaffe l'angle et tout. Évidemment comme c'est du tas, c'est fait parfaitement à chaque fois pour ouvrir les portes, mais c'est cool. Toujours faire ainsi, Noirdez, quand la meuf fâchée, lui toujours faire ainsi. Les obligatoires références franco-belges, bien sûr. Hein. La meuf fantôme, c'est un peu ton jeu. C'est Aya, la fantôme. Titanic, le jeu qui a coulé. Merci, Sonoya, merci. L'histoire vraie où un pauvre combattant de rue et une riche ninja sur un bateau qui perd des bandits. C'est pour ça. C'est exactement ça, Cassie. Mais voilà, donc c'est vraiment comme on peut s'y attendre, un jeu extrêmement. Un tas en tout cas extrêmement classique. On prend des dégâts pour traverser les ennemis, on va le plus vite au bout, on fait les crachats parfaits pour atteindre voilà, l'espèce de crachoir pour ouvrir les portes. Pas de mystère à ce niveau-là. On fait les droites-gauches quand on s'emmerde parce qu'il faut bien faire quelque chose. Pas de mystère. Le milieu de drogue. Mais vous allez voir, la fin réserve, comme je disais, une surprise de taille qui vaut le coup. Juste pour le tas vaut le coup, juste pour l'écran Zian du jeu. Qui est, je crois, un des plus merveilleux écrans de fin que j'ai pu voir dans un jeu vidéo depuis longtemps. Ça a été mon fou rire de tout à l'heure quand j'ai préparé le tas. Je sais pas comment ils ont fait sur de la Game Boy, pourtant tu peux faire des trucs plutôt pas mal, hein. C'est Infogrames qui se démerdait bien avec de la musique sur Game Boy, hein. Oh mon dieu, boss. Donc on approche de la fin, je vous rassure. Encore un Donkey Kong Game. Je voudrais bien voir leur réunion avec l'architecte qui a dit au lieu de passer des portes pour aller dans votre chambre, vous allez faire un labyrinthe avec des bestioles partout de feu des cartes. Alors c'est pas un Donkey Kong Game cette fois, mais c'est une image du... Enfin je comprends pas, je sais pas pourquoi est-ce que de toutes les images du jeu ils ont pris ça, quoi. Donc voilà, rebelote, on refait le trajet. Qui va se vautrer là, oui, c'est vrai. Et c'est la fin du TAS. Et Cusco qui va retrouver sa forme humaine, bien sûr. C'est un peu le but. Tada! Et donc, l'image de fin, très discutable. Voilà. Je pense que tout est dit. De toutes les images d'un film Disney que tu peux prendre, pourquoi pourquoi tu finis sur un truc pareil? Pourquoi est-ce que tu finis sur cette image-là? Je ne sais pas.
Voilà, donc c'était Cusco, l'empereur mégalo, The Emperor's New Groove sur GPC. Et on va passer du coup au dernier tasse de ce soir, qui est une surprise, je pense pour beaucoup, parce que enfin, enfin, et oui, enfin on va pouvoir. J'ai fait cracher mon On va enfin pouvoir voir le fameux tasse de The Legend of Zelda Twilight Princess par Rachel. Enfin, depuis des années on l'attendait, le voilà, je l'ai en 22 secondes. Je vais d'abord ne rien raconter, je vais d'abord juste vous montrer. Et après, on va expliquer un peu ce qui se passe. Et voilà! Et c'est fini! Voilà, c'était le tasse de Twilight Princess qui finit sur Kirby Avalanche en 22 secondes. Donc, que je vous explique. Bon, ça, c'est un tasse du 1er avril. Hein. Avançant. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique, c'est un peu compliqué. Donc, on est parti d'une fichier de sauvegarde corrompue. C'est pour ça qu'au tout début. Alors attendez, je vais vous remettre ça bien que j'ai tout. On revient au début. Tout au début du jeu, que j'ai OBS sous la main, voilà, ce sera mieux. Donc, on est sur une sauvegarde existante qui s'appelle Twilight Hack Zero. Et en fait, dans cette sauvegarde-là, on a un nom d'Epona qui est trop long. Qu'est-ce que ça fait que le nom d'Epona est trop long? Ben, en fait, ça fait planter le jeu. Et qu'est-ce que ça fait quand ça plante le jeu? Alors que je récupère. Ça fait un buffer overflow en fait, simplement. Alors, ça fait carrément que le nom d'Epona, c'est un petit programme. Et donc, quand le nom d'Epona est lu en chargeant la sauvegarde, ça exécute, enfin, ça fait planter le jeu, ça exécute le programme. Ce qui est donc ce qu'on voit, cette espèce de console qui apparaît. Voilà, ça. Donc, toi, la toilette hack, comme vous voyez, etc. Voilà, puis le truc. Ce qui va faire un boot.doll, qui est sur la carte SD de la Wii. Et boot.doll, c'est le port de SNFX sur Wii, qui s'appelle SNFX, SNES9GX, je vais y arriver. Et de là, on lance, du coup, depuis cet émulateur Super NES, on lance Kirby Avalanche. Et pourquoi est-ce qu'on lance Kirby Avalanche? Parce que Kirby Avalanche, quand on commence et qu'on appuie sur droite plus L avec la manette 1 et gauche plus R avec la manette 2, à la première frame du jeu, ça fait les crédits. Je sais pas si vous imaginez un peu le degré de réflexion qu'il faut aller jusqu'à arriver à ça. Et pourquoi pas Kirby? Exactement, je suis bien d'accord, Grincevent. La roulade derrière en TP, les gens qui ont à quelle heure il y a l'époque. Et donc Kirby Avalanche qui est un clone de Puyo Puyo, hein, bien sûr, en fait. La save est pas legit, oui, non, non, c'est pour rigoler, quoi. C'est un tasse du 1er avril, hein, celui-ci, mais alors celui-ci, c'est vraiment. Ah ben Yoshiroute, t'as raté ce tasse-là. T'avais raison pour le tasse de Puka, c'était effectivement bien les noms que tu avais dit dans le générique. Du coup, je vais refaire l'explication si vous voulez. Donc, on a Twilight Princess avec une sauvegarde corrompue qui est ici, voilà, qui a donc dans le nom d'Epona un programme. Ce qui fait que quand on charge la sauvegarde, ça fait planter le jeu. Et voilà, ça charge donc le fichier de. Le programme qu'on a mis dans le nom d'Epona qui boot, enfin qui lance boot.doll. Boot.doll, qu'est-ce que c'est? C'est l'émulateur Super NES de la GameCube qui nous lance Kirby Avalanche. Et Kirby Avalanche, si on appuie sur. Hop là, que je récupère ça. Droite plus L sur la manette 1 et gauche plus R sur la manette 2 au chargement du jeu, enfin la première frame du jeu, ça provoque les crédits. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Parce que c'est un petit peu. un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est donc c'est le tasse de Twilight Princess qui finit Kirby Avalanche. Et comme elle a mis dans la description du tasse, Yo dog, I heard you like emulators, so I put an emulator in your emulator so you can emulate while you emulate. Voilà, on apprécie toujours les mêmes, tout ça, habiller le truc.
Bon, ça fait quand même un overflow, ça récupère la meilleure fin. Techniquement, oui. Mais on a quand même Dolphin qui va lancer un émulateur, c'est vachement méta quand il pense. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment fabuleux, quoi. Voilà, je vous dis, hein, Dolphin a vraiment un très très bon émulateur, très solide, ce que vous voulez. Bon, évidemment, ça fait que je n'ai plus rien et qu'il est bien sûr beaucoup trop tôt. Mais c'est pas grave, on va laisser quand même tourner ce TAS-là. Lolo et Lala... qu'on retrouvait dans Kirby, à la base. Bah, c'est un, que je connais, c'est un jeu Kirby, évidemment. Mais qu'on leur jeu à part. Le TAS de Zelda, on voit plus Kirby que Zelda, oui. Mais voilà, il y avait eu déjà le TAS de Kirby Avalanche qui avait été refusé parce que bah, c'était débile quoi, le TAS il dure une frame. Mais qui était déjà rigolo. Hein. Ça doit pas être facile à te faire tourner sur un tutoriel sur Dolphin, il faudra un très bon PC. Tu m'étonnes, oui. C'est quand même génial, hein, un émulateur qui lance un émulateur. Daddy Doo chez nous, bien sûr. Parce que faut rajouter des consonnes, faut rajouter des voyelles. Koala. Koala aime bien Zelda, son épée est classe, je suis bien d'accord. Ouais. C'est comme moi j'adore Metroid, il tire vraiment super fort avec son canon. Hein. C'est pareil. Et voilà, c'est marrant que des tasses comme ça existe. Enfin, surtout celui-là. Autant le TAS d'une frame sur Kirby Avalanche, bon, c'est rigolo, mais voilà, c'est un peu débile. Autant ça, c'est vraiment travaillé, quoi, pour le coup. Elle a vraiment pensé à faire son truc complètement débile. Mais ouais, c'est rigolo. Bon, du coup, on va sûrement finir en avance, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave si on finit en avance. Comme il Super Game Boy qui fait tourner un jeu GB dans l'émulateur Super NES, oui. Effectivement. Après le Super Game Boy, c'était. Je parle vraiment de la cartouche, hein, Super Game Boy, c'était un Game Boy. Hein. Une Game Boy, un Game Boy, on s'en fout. Franchement, le genre du Game Boy. Ça passe par-dessus la tête. Oui, tu pouvais faire des editing en prenant le test de Kirby pour le caler à la fin de celui de Zelda. Voilà, c'est une émission de 3 heures un peu improvisée, enfin à moitié improvisée. J'avais prévu 2 heures de contenu, pas beaucoup plus. Mais ça permet au moins de présenter ce TAS-là qui valait le coup, vraiment. Surtout, je vois pas d'autres occasions. Je vois vraiment pas d'autres occasions où on aurait pu le placer celui-ci, donc c'est pas plus mal. Évidemment, le TAS de Pouka. Bon, je trouve un cosplayer de Link pour lui faire une prestation. C'est pas facile de discuter avec Link, hein, comme il s'exprime quand on. C'est pas facile de communiquer avec lui. Let's try hard level. Ah bah oui, parce que y a un niveau dur en plus. On a CDV, il sait faire. Oui, il sait faire, effectivement. Press ABX and Y buttons and controller 2 during gameplay while keeping all these buttons pressed, reset your SNES, go back into the option menu and check the custom option. Waouh, les options improbables de... planquer de la batterie. Tu me diras, dans le premier Kirby, c'est pareil. Hein, quand on finit le jeu, il te donne comment faire le hard mode. Mais voilà. C'était dommage de rater le TAS de Pouka, effectivement. Mais voilà. Bon, bah, j'ai plus grand chose à vous montrer que tout ça. Il reste encore pas mal de temps.
Ça tombe bien, je vais quand même vous expliquer pourquoi le comment, même si je pense que les trois quarts des gens savent pourquoi l'émission de ce soir, pauvre Real Talk, oh ça fait bizarre, je sais. Bon, je pense que les trois quarts des gens savent hein, pourquoi est-ce que j'ai fait cette émission ce soir, hein, bien sûr. Simplement que Rachel, donc l'auteur de ces TAS, l'auteur des outils d'amélioration du TAS dans Dolphin, l'auteur de la gestion de la Wiimote, s'est suicidée il y a une dizaine de jours. Elle avait 23 ans. C'était une copine, c'était quelqu'un que je côtoyais. Et ça a été vraiment un coup assez dur, on va dire, pas que pour moi, pour vraiment la communauté speedrun qu'il avait côtoyée, pour la communauté TAS, bien sûr, qu'il connaissait, puis bon, pour tout ce qu'elle avait accompli. Parce que bon, c'était quelqu'un, moi, que j'admirais énormément, puisque elle s'était un peu mise dans le TAS, et puis même dans le développement de Dolphin, un peu, en disant ouais, enfin, je sais pas trop, je n'y connais pas trop, et au final, elle a fait plein d'améliorations vraiment notables, très importantes vis-à-vis de ce stimulateur-là, au niveau de la compatibilité, au niveau, comme je disais, voilà, les outils TAS surtout. Dites-vous, hein, le TAS de Gotan qui est passé en Speedgame, le TAS de Ikaruga de Killaï, il y a des chances qu'on les ait pas si elle n'avait pas mis la main dans la pâte pour améliorer les outils de TAS de l'émulateur. Tout comme le TAS de World of Goo, c'est pareil pour la gestion de la Wiimote, si elle n'avait pas amélioré les choses, c'est pareil, ça serait sans doute jamais arrivé. Il y a un article qui tourne pas mal sur sa mort, que vous avez peut-être vu, moi je ne l'ai pas relayé, j'ai mes raisons, qui explique qu'elle se faisait harceler justement sur le net et que c'est pour ça qu'elle s'est suicidée. C'est très inexact, c'est très incomplet, et justement je suis contente de pouvoir en parler, étant donné que j'ai pu en discuter longuement avec elle et ses proches, enfin surtout avec ses proches du coup. C'est pas tant le bullying sur internet, parce que oui, quand t'es une meuf trans sur le net, faut pas. Et que t'es visible en plus et que tu fais des trucs en rapport avec le jeu vidéo, faut pas te leurrer, hein, tu vas t'en prendre plein la gueule. Moi, j'ai déjà reçu des menaces de mort, etc. Bon, moi, c'est pas très très grave, mais c'est pas tant ça en fait qui l'a poussé à bout. C'est pas tant vraiment ce harcèlement, c'est pas tant ces connards, c'est. Les trolls, hein? C'est rigolo les trolls, hein, quand ils nous menacent de mort. Tellement drôle. C'est pas tant ça en fait qui a provoqué ça. C'est. Faut voir que Rachel avait deux maladies chroniques qui lui pourrissaient l'existence. De mémoire, c'est une fibro et une arthrose. Du coup, chaque mouvement était devenu beaucoup plus douloureux au quotidien. Ça faisait des années qu'elle souffrait. Et c'était arrivé à un point où ça s'empirait chaque année. Et elle ne pouvait plus supporter de vivre dans un corps qui la faisait souffrir autant que ça. C'est pour ça que c'est arrivé. Mais voilà, c'était un peu ma façon pour moi de parler d'elle, de parler un peu sur tout ce qu'elle avait accompli, plutôt que de parler des choses négatives qui sont arrivées ensuite, et au moins de pouvoir remettre un petit peu la vérité sur ce qui est vraiment arrivé, au moins pour lui rendre hommage de la bonne façon. Et je trouve ça important de montrer tous ces tas, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a accompli des choses importantes dans la communauté, et qui méritait vraiment qu'on s'intéresse à elle. Voilà, c'est un peu dur. Un peu dur comme fin, un peu inhabituel, je sais. J'essaie de faire un truc un peu rigolo. Pour ceux qui prennent le truc en cours, je parle de Rachel Brick, qui est l'auteur des tasks que j'ai montré ce soir, et des améliorations des outils de tasks de l'outil Dolphin, qui s'est suicidé donc il y a une dizaine de jours. Et qui a énormément aussi aidé les tasers, voilà, comme le dit Grincevent, exactement. Et voilà, ça permettait un peu de montrer ce qu'elle a pu faire pour ce stimulateur-là, ce qu'elle a accompli, ce qui est quand même loin d'être rien. Moi, je ne peux pas prétendre avoir fait le quart de ce qu'elle a fait pour la communauté TAS et la communauté Speedrun. Et c'était important de pouvoir en parler et expliquer un peu ce qu'elle avait dit. Voilà. Du coup, je vais rendre l'antenne en avance, mais c'est pas très grave. Je vais juste prévenir Gab que ce sera en avance, histoire qu'il soit au courant. Hop là, et normalement il est censé stream derrière. Mais voilà, c'était important de pouvoir parler un peu de ce qui s'est passé. Et vraiment. Et c'est vraiment triste quoi, je veux dire. Personne ne devrait se suicider à 23 ans, même à n'importe quel âge, hein, mais punaise, si jeune. Mais encore une fois, voilà. Il y a des articles qui tournent sur elle, même ses proches ont tapé sur les doigts des auteurs, justement, notamment de cet article-là qui a été beaucoup repris
dans les milieux militants, parce que c'était un peu une façon facile de la mettre en martyr, ce qui est un peu injuste vis-à-vis de la réalité, justement, et de ce qu'elle vivait vraiment au quotidien, et de la douleur. Donc voilà. Donc faites, voilà. Faites des bisous à vos proches, faites des câlins, aimez vos proches et soutenez ceux qui souffrent au quotidien. J'ai plusieurs amis qui souffrent comme ça, que ce soit des fibros ou bien que ce soit symptômes de Marfan ou des choses comme ça, qui subissent comme ça de la souffrance au quotidien. Enfin, à côté de ça, avec mon accident de voiture, j'ai souffert pendant 2 mois du dos et je pensais que ça allait durer éternellement, ce qui était possible. Au final, ça s'est arrangé, mais j'ose à peine imaginer si c'était des douleurs vraiment au quotidien comme ça. Et encore, c'est encore pire, quoi. Enfin, encore, ça aurait pu être vraiment bien pire, quoi. Mais voilà. Après moi, du coup, c'est Gabriel. J'espère quelque chose d'un peu plus joyeux, bien sûr. Et je ne sais pas s'il va reprendre là tout de suite. Mais en tout cas, il reprendra normalement à 22h si jamais il ne reprend pas derrière. Enfin, tout de suite derrière, en tout cas. Moi, en tout cas, je vais couper là. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un truc un peu plus joyeux. Sans doute des tasses sur Game Boy. J'ai des trucs à montrer que ça fait un moment que je voudrais montrer. On verra bien. Je ne sais pas encore si ce sera 2 heures ou plus. Mais en tout cas... L'émission de ce soir était nécessaire pour moi, en tout cas. Vous n'avez pas idée. Je traîne ça depuis quasiment 2 semaines et j'avoue que ça fait du bien de pouvoir un peu lâcher cette pression-là. Voilà. Je vous fais des bisous et à très bientôt et à la semaine prochaine. Voilà. Bye bye!